m'avoir protégé. Merci de m'avoir épargné. Merci, ô Seigneur. Merci, tu m'as protégé. Merci, tu m'as épargné. Merci, mon Dieu. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir épargné, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Tu demeures les dieux très haut. Merci, merci, mon Dieu. Tu m'as épargné, oh Jésus. Tu m'as épargné, Seigneur. Je te dis merci. Je rends ton nom grand, Seigneur. Je rends ton nom grand, mon Dieu. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur Jésus. Ah, grand frère. Mon frère. Je te salue, grand frère. Je te salue aussi. Je te vois venir à la maison sans pour autant me signaler que tu viens. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. C'est juste que j'avais reçu l'appel d'Aisy. Et c'était un appel urgent et je me suis dit de descendre rapidement et voir ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit que j'ai reçu l'appel d'Aisy. Tu as eu l'appel de la part d'Aisy? Ouais. À l'urgence. Et tu cours vite, tu viens à la maison sans pour autant m'appeler pour confirmer si tout va bien. Oh. C'est quoi ça? Grand frère, là n'est pas la question. Ça a trait avec ma construction, c'est Aisy qui s'en occupe. Donc il n'y avait aucune raison de t'appeler encore, grand frère. Je me suis dit de venir très rapidement voir de mes propres yeux et essayer de balancer les choses et rentrer. D'ailleurs, voilà pourquoi je suis ici. Kennedy, ça c'était un mensonge. Ah. Un grand mensonge en ma présence. Comment est-ce qu'un étranger t'a appelé et tu viens en courant de la ville jusqu'ici sans pour autant appeler ton frère pour savoir si ce dont il était en train de t'appeler est normal? Hein? Frère, je pense que tu exagères, mais bon, de toute façon, c'est bon. D'accord, je suis désolé, tu sais, c'est pas ce que j'allais dire. Laisse-moi aller voir rapidement de quoi il s'agit. Mm-hmm. Et tout se passera très bien, c'est bon. Fais vraiment attention, vraiment très attention. Je n'ai aucune confiance en ces jeunes hommes. Non, il n'y va même pas. Aisy est une très très bonne personne. Ça, tout le monde le sait, et Aisy ne peut jamais m'escroquer. Je connais les genres d'amis que je fréquente. C'est vrai? Je comprends le fait que tu sois en train de t'inquiéter pour moi. Je suis quelqu'un qui vit dans ce village. Nous nous connaissons nous-mêmes. C'est clair? C'est d'abord, d'accord. Alors laisse-moi aller voir rapidement. Je reviens vers toi. Tu ne demandes même pas comment vont ta nièce et ton cousin. Tu es toujours aisé. Ah, je suis désolé. Mon neveu et ma nièce, comment vont-ils? Je ne les ai pas vus ce matin, mes yeux ne les ont pas vus ce matin. Je viendrai les voir. Après ma rencontre avec Aisy, je viendrai les rendre visite, d'accord? J'arrive. Fais attention, très attention. Tu es toujours Aisy. Tu dois faire attention avec Aisy. Non. Attends. Viens comme ça. Oui, devant, encore. Ok. Allez. Ok, ça va, ok. Ajuste vers la droite, tout droit. Ah, c'est ça. Ok, ça va, allez-y. Avance, ok. Allez. Inkem, honnêtement, tu vas devoir me pardonner. Si je t'avais dit la vraie raison pour laquelle je t'avais dit de retourner ici à la maison, tu aurais reporté ton voyage. Je suis d'accord avec toi parce que ta manière d'appeler. J'avais peur, je me disais peut-être qu'il y a eu un problème qui est arrivé avec l'immeuble que tu es en train de construire pour moi. Tu vois, mais c'est bon, je suis là, d'accord? Bon, le terrain dont nous parlons maintenant, pourquoi est-ce qu'il est en train de le vendre? Voilà. Bon, il faut essayer de comprendre. Ce gars-là rencontre des problèmes financiers très sérieux. Et la vérité est qu'il a besoin d'argent pour pouvoir s'en sortir enfin. Mm-hmm. Il fallait faire quelque chose. Et il fallait que je t'implique. Comme le terrain en question représente une opportunité pour résoudre tous nos problèmes. Pas mal, je suis intéressé. Donc je dois venir demain pour voir le terrain de mes propres yeux. Alors si j'apprécie, on va négocier puis je vais acheter. Oui, comme je t'ai dit, tu peux compter sur moi. Et à part ça, tu vois ce terrain, c'est vraiment bien. Et c'est placé dans un endroit très très stratégique, je te dis. Honnêtement, c'est vrai, c'est un beau terrain, je te dis. Il n'y a pas de problème, c'est bon.
Et alors, je m'empresse pour la maison. J'avais vu mon grand frère avant de venir ici. Et je lui ai dit que j'étais venu ici en urgence. Je lui ai dit d'abord que je passe le voir. D'accord? Alors, laisse-moi alors me reposer, d'accord? Que je me repose. C'était un très long voyage. Très bien, alors. Bon, merci. Très bien. Hey! Ken, tu me donnes raison? Tu vois maintenant? Ken, tu dois toujours me consulter avant de faire toute chose. Demander mon avis. Regarde maintenant. Tu es allé payer la terre, celle qu'on t'a proposée de l'autre côté, sans pour autant d'abord me consulter, moi, Abou Djeb et ton frère aîné. Si cette terre est libre, Ken, vraiment, tu ne m'as pas considéré. Tu m'as vraiment déçu. Tu me considères comme si je suis nul devant toi. Je ne sais pas est-ce que pourquoi tu as préféré avoir confiance en une personne de l'extérieur que moi, Abou Djeb et ton grand frère aîné. Hein? Mon grand frère, tu me confonds avec tout ce que tu racontes. Comment? Et s'il te plaît, je ne veux pas que tu te mettes à créer des choses qui n'existent même pas. Non, mais qu'est-ce que tu essaies de dire? La personne dont nous parlons ici, c'est Aizé, mon ami. Je lui ai clairement dit que si je voyais le terrain et que c'est quelque chose d'apprécié, je vais acheter. C'est un investissement. C'est quelqu'un qui veut mon bonheur. Il a vu ce terrain-là et puis il me l'a dit. Hein? Il en est de même qu'avec vous, les membres de ma famille. Si vous voyez quelque chose qui est bien, quelque chose dans lequel je peux mettre mon argent, dites-moi, je vais investir. Et dans ce cas, c'est un ami qui me l'a dit. Puisqu'il me l'a dit, alors c'est bien. C'est un investissement. Je ne vois rien de mal. Alors s'il te plaît, grand frère, essayons d'oublier cette affaire. Et comme tu peux le voir, je suis très fatigué, je ne me suis même pas reposé. Donc laisse-moi aller me reposer. C'est tout ce que tu as à dire. Oui. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois cette tête? Cette tête est toujours victime des conséquences causées par entêtement des oreilles. Est-ce que tu m'entends? Attends, là-bas, je n'ai pas encore fini avec toi. Je ne vais pas te laisser finir. Je ne te le permets pas. Ken, tu as refusé que je finisse. Je suis désolé, grand frère. Tu retourneras pour me demander ce que j'avais dit. Tu reviendras ici pour me demander ce que j'avais dit. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec ces garçons? D'abord, avant d'aller se confier à quelqu'un d'autre, premièrement, il faut venir me voir. Le terrain jusqu'à là-bas, juste... Vous allez au fond. Quand vous allez arriver au fond, vous prenez votre gauche. Et c'est ici, n'est-ce pas? Oui. Comment tu trouves? C'est pas si mal. Non. Je t'avais bien dit. J'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié l'endroit où ça se trouve, où ça se situe. C'est un très bon terrain. Je ne pense pas qu'il y ait un autre problème, sauf celui du montant auquel tu veux vendre ça. Je comprends. Ce que tu me demandes de payer va vraiment en contradiction avec ce que lui m'avait dit. Ce n'est pas comme si je voudrais vraiment m'en abuser. Je comprends que j'en ai vraiment besoin. Mais je vais acheter parce que j'ai vraiment apprécié. Et tu sais, j'ai beaucoup de terrain partout ailleurs. Ce n'est pas comme si je vais l'acheter au Jaman. Donc, tu dois un peu rabaisser. Mais tu ne m'as pas encore dit le montant que tu veux l'acheter. Je pourrais prendre ce terrain à 700 000. 700 000. Oui, et ça peut aller. 700 000. Isé. Non. Il sait combien ce terrain coûte. Hein? Il plaisante. Il doit arrêter de faire ça. Regarde, c'est pas comme si je voudrais qu'on puisse tourner en rond. Ça, c'est quelque chose de d'urgent, tu comprends? Tu vois un peu, hein? Ok, d'accord. Je vais ajouter 150 000 naira à cette somme pour résoudre le problème. Puisque c'est pour ça que je vais vendre mon terrain. Mais si tu veux que j'ajoute encore plus de ça, en tout cas, épargne-moi. Est-ce que c'est clair? Je ne pense pas que je sois le seul à pouvoir acheter ce terrain. Tu peux le vendre à tout le monde. Mais si tu veux que ce soit moi qui l'achète, alors oublions ça. Hey, donc, fais-moi savoir ta décision. Aizé. Mon frère. Si tu me demandes, vends ce terrain. Il est là, il peut l'acheter. Les temps sont très durs. Et puis tu sais toi-même très bien ce qui t'est arrivé. Vends le terrain maintenant. Tu as l'opportunité devant toi ici. Ok. Comment maintenant je vais avoir mon argent? Je préfère que ça soit en cash. Du cash? Ah. Oui. Dans ce cas, je vais transférer tout cet argent à Aizé. Parce que tu dois encore me remettre certains documents. D'accord. C'est quand tu vas lui remettre les documents qu'il te donnera de l'argent. Et c'est d'accord. Okay, d'accord. Hein? Donc c'est d'accord. Pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. Aizé, merci. Laissez-moi vous montrer ici le terrain. Allons-y, ce n'est pas long. Juste à côté là. Hé! Hey! Ken.
Écoute-moi. Un enfant meurt lorsqu'il refuse d'écouter le sage conseil des anciens. Et un ancien meurt quand il refuse de prodiguer les conseils aux petits. Donc, Ken, de tout ce qu'on a parlé, tu es allé payer cette terre sans pour autant me consulter, moi, ton grand frère aîné, Abou Djeboué. Hein? Je ne comprends plus rien. Grand frère, en fait, c'est quoi le problème? Hein? En fait, je ne sais même pas où est-ce que tu veux en venir. Pensez-vous que je ne suis pas suffisamment grand pour prendre mes propres décisions? Ou je ne peux pas gérer mes affaires personnellement? C'est quoi le problème? Un instant, Ken. Laisse-moi te dire le problème. Hein? Écoute, la raison pour laquelle Dieu garde les anciens en vie, c'est pour épargner les jeunes hommes à ne pas commettre les erreurs. Ces erreurs peuvent même causer leur vie. Et cela peut être d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu m'entends? Je n'ai rien à voir avec tout ce que tu fais avec ton argent. Je n'ai aucun problème, peu importe avec ça. La question que je me pose est celle de savoir pourquoi est-ce que tu as la confiance en une personne de l'extérieur, que ton propre frère, Abou Djeboué, frère aîné, ton propre sang de la famille. Pourquoi? Je n'ai assez. Hein? Ça fait très longtemps que tu en parles et tu en parleras pendant combien de temps? Ton frère, ta famille, c'est jusqu'à quand est-ce que tu en finiras? C'est moi. Oui, c'est mon propre grand frère qui j'ai remis 3 millions de naira pour superviser mon travail et a tout bouffé. Tu es idiot. Hein? Ou c'est le même grand frère qui me monte toujours dans le but de me soutirer de l'argent. Hein? Hein? Donc c'est le même grand frère qui va partir dans ce village en train de comploter avec les gens, disant que moi, je l'insulte. Et sachant très bien ce qu'il faisait. Hein? Dis-moi si c'est du même grand frère que tu parles. Dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, ah. Ken, et c'est à moi que tu parles comme ça? Hein? Non, je te demande, Ken, c'est à moi que tu parles de cette manière? Non, est-ce que je parlais en parabole? Hein? Je ne parlais pas en parabole. J'ai parlé à ce grand frère qui me s'est même dérangé. Tu m'as compris maintenant. Tu m'as très bien compris. Je ne suis pas fidèle. Ken, est-ce que tu réalises que tu parles à ton frère aîné? Est-ce que tu le sais? Le premier fils de ta mère. Est-ce que tu réalises la personne à qui tu parles de cette manière, Ken? Ken, la pluie est en train de s'annoncer. Il est en train de s'annoncer. Laisse-le faire. Dans peu de temps, il va commencer à pleuvoir. Même un parapluie, il n'y en a pas. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu as quelque chose à faire dans ce village, je suis là. Je suis là en tant que ton frère est né. Oh, à cause de 1 million de naira, si j'ai choisi de résoudre le petit problème avec l'argent que j'ai eu des mains de mon jeune frère, comment est-ce que cela peut être un problème entre nous? Non, ce n'est pas censé être un problème. Ce n'est pas censé être un problème lorsque je décide délibérément de dépenser mon argent. Que la foudre s'abatte sur tes lèvres. Non, parce que ta façon de me regarder, c'est comme si je suis une machine qui vomit de l'argent. Alors c'est mieux que tu m'utilises dans ton fétiche. Comme ça, je te donne l'argent. Et tu auras de l'argent de moi. Oui! Grand frère, si tu as un problème personnel contre quelqu'un, va et résous-le. De manière personnelle, arrête de me traîner dans tout ceci. D'ailleurs, j'en ai assez. Et cette réunion est terminée. La réunion ne doit pas être suspendue comme terminé. Ça. Reste là, la réunion continue. Je dois partir. Mets-toi là, Ken. Je ne vais jamais me mettre. Jamais. Reviens te mettre ici, on n'a pas encore fini la réunion. Ce n'est pas fini. À moins que je sois ligoté, je ne vais jamais me mettre. Ken, vraiment, Ken, tu es parti? Grand frère, j'en ai vraiment marre. Ne t'inquiète pas. Le problème que nous sommes en train de traiter n'est pas encore fini. Tu vas revenir. Tu dois me fournir des explications pourquoi tu mets toute ta confiance aux gens de l'extérieur. Surtout cet homme-là, Eze. Je ne l'aime pas. Non, ça ne tiendra pas. Chérie, ne me dis pas que tu t'inquiètes toujours pour ce qui s'est passé entre toi et ton frère. Mon grand frère est en train de me forcer à voir comme si j'ai commis un très très grand meurtre. Chérie, arrête ça. Comment tu peux dire ça? Tu dois comprendre le problème qui est ici. Il ne s'agit pas que tu lui donnes vraiment de l'affection. À qui la faute? C'est un être aimé, tu le sais. Je sais, mais ce n'est pas mon erreur. À qui est la faute? Hein? Je n'arrive plus à le croire. Quelqu'un qui en remet de l'argent et dépense le tout. Te rends-tu compte du tort qu'il cause à la famille? Tu veux que je continue à lui faire confiance? J'ai cru à Eze, voilà pourquoi je l'utilise à faire ça.
Je sais, chérie. Nous devons appliquer la sagesse ici. Si tu sens que ton frère est capable de le faire, permets-lui de le faire. Et d'autres choses qui sont importantes, tu peux les donner à d'autres personnes. Et ils pourront essayer. Et cela n'est pas un problème, tu sais. S'il te plaît, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. C'est bon, tu as beaucoup à faire, tu dois te reposer. Repose-toi. Ne t'inquiète plus, s'il te plaît. C'est d'accord. Ada. Adama. Oui, j'arrive. Viens, 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 viens. C'est combien ton argent? 1000 francs. Parce que, à part ça, j'ai encore ta dette. Tu me dois, non? Ah, de combien? 500. D'accord. 500. Maintenant, ajoute à ce que je viens de consommer. Je vais t'apporter l'argent après. Hein? Rentre ici. Hein? Écoute, je n'ai pas ouvert ce shop pour toi. Est-ce que tu m'entends? Ada, qu'est-ce que tu fais ici? Qui veut dire quoi? C'est comme ça que tu traites tes clients? Hein? De ce que tu m'as fait, tu m'as perdu comme ton client. Je ne viendrai plus manger chez toi. C'est fini avec toi. Moi, celui qui croit être un client. Toi, client, laisse-moi partir. C'est quoi ça? Donne-moi mon argent. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Bien, laisse mes habits. Donne-moi mon argent. Ada, respecte-toi. Respecte-toi, Ada. Laisse-moi, Ada. Tu ne blagues pas avec moi. Écoute. Remets l'argent ici. Ça, c'est quoi? Quel échange? Écoute, remets-moi cet argent. Remets-le-moi. Une fois, tu sais. Moi? Tu es vraiment méchant. En fait, tu n'es bon à rien. Ne m'insulte pas. N'ose pas m'insulter à cause de ton argent. Si tu étais un bon homme, pourquoi ton frère peut aller trouver une autre personne dans le village voisin pour être gérant de son business pendant que toi, son frère, tu es là? Ne comprends-tu pas que tu es un bon à rien? Hein? Hein, je te demande. En quoi est-ce que cela te concerne? Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est pitoyable. Donne-moi l'argent. Je verrai où tu vas l'avoir. D'ailleurs, cet argent n'est même pas complet. Remets-moi la monnaie. Si tu es un homme. Ada? Viens le prendre. Toi, tu ne veux pas comprendre. Ah, Mazé. Oui. Bonjour, Mazé. Comment tu vas? Je suis même en route vers la maison de ton frère. Et ça fait quoi? Comment ça fait quoi? Eze, et ça fait quoi? Ah. Écoute-moi te dire quelque chose. Sois loin de moi. Reste loin de ma famille. Restons tous deux limites qui ne peuvent pas se rencontrer. Je veux dire qu'ils ne peuvent pas se rencontrer. Eze, je sais de quoi tu es capable. Je sais de quoi tu es capable. Eze, garde silence, je n'ai pas encore fini de te parler. S'il te plaît, laisse-moi te dire ce dont j'ai besoin de te dire, Eze. Eze, écoute-moi très bien. Eze, reste loin de moi. Hein? Ne t'occupe pas de ma famille. Je connais tes plans. Tu as réussi à lier mon frère vers toi. Cependant, tu sais que ces fétiches, peu importe autre magouille que tu as, ne pourront pas atteindre là où je suis. Ça ne peut pas. Honnêtement, je ne comprends même pas de quoi tu me parles là. Tout ça n'a aucun sens pour moi. S'il te plaît, je ne comprends pas ce qu'il dit là. Tu ne comprends Est-ce pas. Est-ce que tu peux me laisser tranquille un instant? C'est vrai, tu ne comprends pas. Laisse-moi tranquille. Tu ne comprends pas. Comme tu ne comprends pas. Mais bientôt, tu les comprendras. Et là, ça sera trop tard pour toi parce que je vais t'exposer. Je te l'ai dit. C'est comme la pluie qui s'annonce avant de pleuvoir. Tu ne seras pas épargné quand ça va commencer à tomber. Je ne comprends rien de tout ce que tu dis. D'accord, je te le promets. S'il te plaît, laisse-moi. C'est ce que tu as comme travail, d'utiliser les familles des gens. C'est ça? C'est de quoi tu parles. Je te poursuivrai. Si tu ne t'écartes pas de ma famille, si tu ne t'écartes pas de ma famille aisée, hein? Écoute-moi bien aisée. Moi, je ne vais pas te voir avec quelqu'un de ma famille. Eze, tu dois apprendre à rester chez toi. Qu'est-ce que tu viens faire dans la famille d'autrui? Moi, Abou Djebou, tu te joues de moi? C'est vrai, tu vas me trouver. Il n'y a pas de problème. Tu as très bien entendu ce que je t'ai dit. Je ne veux te voir avec aucun membre de ma famille. Occupe-toi de tes affaires. D'accord.
Ma fille. Papa. Qu'est-ce que tu fais avec mon pantalon? Je voulais t'aider à le laver. J'ai fouillé dans tes poches pour voir si tu avais un rapport pour que je puisse acheter les savons. Il n'y en a plus. C'est vrai? Tu veux m'aider à faire la lessive? Et tu contrôles dans les poches? Pour que s'il y a quelque chose dans tes poches, que ça ne puisse pas être mouillé. Pourquoi est-ce que tu veux faire semblant? Héberé. Papa. Dis-moi ce que tu faisais avec mes amis. Papa, je cherchais 20 naira pour acheter du savon. Nous n'en avons plus dans la maison. Je ne connais pas la personne qui a fini du savon. Peut-être que c'est toi. C'est vrai ce que tu dis? Et c'est vrai ce que tu dis? Héberé. Papa. Héberé. Papa, arrête de m'appeler Ebélé. Ah ah. C'est tout mon Ebélé, Ebélé, Ebélé. Mon nom c'est Riri. Riri, oui. Riri. Riri. Riba. Est-ce que tu te comprends ce que tu dis? Hein? Héberé. Papa. C'est à moi que tu réponds comme ça, en passant. Prends vite les pantalons. Prends-le vite. Vite, papa, dégage. Papa, je n'apprécie pas ces noms. Je n'aime pas les noms d'Héberé. Donc arrête de m'appeler comme ça. À tout moment, Ebélé, Ebélé. Mon nom est Riri. Riri, l'international. Je ne laverai plus tes habits. Tu manques les bonnes manières. Ce que tu sais, c'est rester contrôlé les pantalons pour me voler. Tu n'en as pas dans tes poches. Fiche-moi la paix. Héberé, je commence à te suspecter dans cette maison. Bébé, bébé, je t'attendais. Je t'attendais depuis longtemps. Hein? Pourquoi tu as traîné? Je suis désolée. C'est comment? Tu as apporté l'argent? Mon père m'a attrapé pendant que j'étais en train de chercher de l'argent dans ses poches. You raise me up. Non, je suis venu à terre. G-boy, je suis désolée. Je viens à peine te raconter ce qui s'est passé. Hein? Pourquoi tu en fais un problème personnel? Tu m'as demandé d'aller voler. Ce que tu m'as demandé, vraiment, c'est vol. Vraiment, tu cries sur moi? Je vais faire des gangs, du gang. J'ai pas chez mon ami qui est un vrai gang. Tchè, bobo. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne sois pas comme ça. Ne te fâche pas contre moi. Hein? Je vais trouver cet argent pour toi. Même si cela me démontrait de droguer mon père, je le ferai. J'ai un médicament provenant des États-Unis que Rihanna m'avait envoyé. Oh oui, même Chris Brown connaît ses médocs. Je vais l'utiliser pour mon père. Est-ce que tu vas le droguer, bébé? Il va commencer à ronfler. Il va commencer à faire ceci. Ron, ron. Et je prendrai l'argent. Demi, mon... Hey! Oui, bon. Et Mickey. Bébé, je pense que c'est à quoi je suis focus présentement. C'est de chercher comment achever cette maison. Sérieusement, je suis impatient d'achever ce projet parce que tu sais, j'ai besoin que toi ainsi que les enfants, vous ayez où vivre et tu sais, il y aura de l'espace. Bon, c'est une bonne idée. Très bien. Mais je suis bébé. Je crois que nous pouvons un peu attendre. Ton business n'avance plus comme prévu. Alors à propos de ce que tu me proposes, cela handicapera quelque part. Il serait mieux qu'on patiente. Bien. Bien, je ne pense pas que ralentir les choses serait une bonne option ici. Nous devons continuer. D'ailleurs, tu es en train de bien faire ce projet. Oui, je veux que vous veniez un jour chez moi pour que vous sachiez plus sur mon village. Chérie, pourquoi pas le faire à la Noël? Il y a quelque chose dans ce village que je n'arrive pas. Tu sais bien que je suis. Non, je ne te permets pas de parler comme ça. C'est mon village, c'est ma maison. Quoi que je fasse, ou que j'aille, je ne peux jamais fuir mon peuple parce que c'est là ma maison. Je ne te demande pas de le faire. Je sais. Mais ne t'en fais pas, chérie. C'est juste un aspect financier, d'accord? J'avais déjà épargné un montant important pour ce projet, spécialement pour ce projet. Parce que je veux que ça aille de l'avant. Hein? Ok. Crois-moi, je sais ce que je fais. Tu as raison. Ok, on se fixe le matin.
Répète ça encore. Mais qui m'appelle? Hey. Allô? Hey! Davido. Ok. Whisky de toi. Vous assistez à cette conférence. Il y a aussi Chris Brown. Oui, il est là. Oh les gars, vous avez vraiment bien fait. Oui, c'est ça. Je le fais déjà. Je viendrai, t'inquiète. Je viendrai vous voir, les gars. Hé, hey, mon gars, tu fais un bon boulot. J'ai vraiment adoré les derniers sons que tu as balancés. Mon pote! Hey! Tu vois comment tu te déçois, toi, mais... Faire quoi? Ce n'est pas l'appel que tu prends, là. Tu y es si occupé. Tu te rejoues de l'appel de quelqu'un, mon appel. Regarde-toi. Ce n'est pas Civique qui a appelé. Appelle aussi, va me signer à Liverpool. Chris Brown, Michael Jackson. Oui, Wizkid. Ou qui encore? Ou quoi d'autre? Arrête de te décevoir toi-même. De quoi tu te mêles déjà? Hein? Tes sous-vêtements sont là-bas derrière la maison, en train de prendre du fumé. Eh, ça fait presque un mois que tu ne les as pas lavés. Et tu parles des contrats? Hein? T'inquiète pas. Hein? Tu partiras avec ces sous-vêtements sales derrière la maison. Tu ne peux pas appeler aussi longtemps. Hein? Tu sais que c'est un faux appel. Davido! Calme-toi! Calme-toi! Laisse-moi te dire. Tu vas encore entendre un jour. Tu vas entendre que ton frère, Obi, Mickaël, ce n'est pas l'Europe. Dans ce village, je veux gagner de l'argent. Je veux gagner de l'argent. Laisse-moi te filer un conseil. Si j'étais à ta place, je travaillerais dur, vraiment dur, pour que ta sœur puisse voyager. Pour que je puisse te mettre en contact avec mes gars. Je veux dire, tous mes amis stars que je les ai aidés dans leur carrière. Écoute, ton destin est entre mes mains. Regarde ta vie. Toi, je ne peux pas te suivre. Si je vais voyager, je le ferai par moi-même. D'ailleurs, regarde-toi. Tu vas voyager où? Voyager où? Tu es l'ennemi de ta progression. Même si tu voyages, alors tu feras quoi? Laisse ça. Écoute, même notre papa est meilleur que toi. Papa va te faire marier. I don't wanna do this anymore. Regarde ta vie. Do this anymore. Es-tu en train d'attendre tes paroles? You don't wanna do it for anymore. Ça signifie quoi? Et pour quelle carrière? Pour quelle carrière? Insensé. Quitte mon terrain d'entraînement. Quitte mon terrain d'entraînement. Tu n'es qu'un pauvre idiot. Viens encore. Regarde cette tête jaune là. Insensé. Bébé. Oui, chérie, je suis là. Ne traîne pas, oh. Deux semaines seulement, oh. Deux semaines, c'est deux semaines. D'accord? Dans deux semaines, je serai là. Je t'aime. Mais tu vas beaucoup me manquer. Tu vas me manquer. Voyons. Tu vas aussi me manquer. Mais je te promets que je n'y resterai pas pendant deux semaines. Tu me promets? Crois-moi, chérie. D'accord, attends. Ces petites vont me distraire. Appelle papa. Je sais. Je vais bientôt recevoir les rappels. Il va bientôt appeler. Je te crois. Ouais. Tu nous manques déjà. Jésus, aide-moi.
vraiment, les gens sont très compliqués. Essaie encore de t'approcher ici. Tu verras ce que je vais te faire. Je ne gaspille pas mon énergie en vain. Je dois bénéficier de mes efforts. Tu as toujours de dettes. Tu prends toujours de dettes. Tu me donnes mon argent aujourd'hui même. Ah, c'est quoi ça? Mon frère, vous vous rappelez que vous devez m'acheter cette balle de football? Est-ce que tu peux fermer ta bouche et voir descendre les colis qui se trouvent dans la voiture? Tu demandes même la balle. Mon grand frère, s'il te plaît, et c'est pas tout le monde que tu lui demanderas de se taire, d'accord? Parfois, il faut lui permettre de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait? Bon, c'est d'accord. Alors, Obina? Mon frère, regarde, non, c'est Michael, Michael Obi. Michael, je ne t'ai pas acheté ces choses. Est-ce que tu comprends ça, hein? Hein? Mais je te promets, la prochaine fois que je viendrai, je vais t'acheter un bon maillot et surtout, je vais t'acheter des boots. Oui. Vraiment? Deux à deux. Hey, mon frère, laisse-moi maintenant te dire, mon frère, si tu as chié cette varèse, hein, s'il te plaît, rassure-toi que ça doit avoir les numéros d'Obi Michael. C'est le numéro 100 que je veux. Sur le dos. Hein, mon frère. Mon frère, tu te rappelles de ces matchs que M. avait joué pour la dernière fois? S'il te plaît, je veux ces bottines. Je veux ces bottines. Ferme vite ta bouche. C'est ce que toi tu sais. Va vite faire descendre les colis qui se trouvent dans les coffres de la voiture. C'est quoi ton problème? Il doit vraiment te faire taire. Alors ouvre ce qu'il y a dans les véhicules là. Je vais tout acheter. Je vais tout acheter. S'il te plaît. Est-ce que tu as appelé les mécaniciens? Je t'ai entendu dire que le frein ne fonctionne pas bien. Ok, je l'avais appelé. Il a dit qu'il Je voudrais que tu viennes le reprendre. Non, les techniciens doivent venir arranger parce que je ne veux pas que ceci prenne beaucoup de temps. Non, je ne peux pas. C'est juste, je ne l'ai pas avant de venir ici. Mais sauf que j'ai juste senti quelque chose sur le volant. Tu vas voir ça. Alors, aide-moi à mettre ces histoires à l'intérieur de la maison. Papa, ça te dit une pression. Ah, ferme ta bouche. Tu viens m'oppresser déjà. Ferme ta bouche, c'est quoi? Pas bon. Ne t'en fais pas. D'ailleurs, on va t'acheter... J'aime beaucoup, Pino. On va t'acheter la bottine comme celle de Pelé, mais pas comme celle de Messi. Ken, ok, tu peux partir, on va parler après. Tu sais là où tu viendras me trouver. Tu me verras dans la maison. Ifoma. Écoute, moi je sors. Tu sais qui me cherchera ici? Dis-lui que je suis allé voir Ken. On m'a dit au téléphone qu'il est de retour. Angou! Il est où cet homme hanté? Où est-il? Ne dis pas que tu n'as pas d'argent à me payer. N'est-ce pas que c'est pour ça que tu t'es rentré à la maison? Hein? Pourtant, je te dis que je devais aller au marché aujourd'hui avec cet argent. Calme-toi. Allez, donne-moi mon argent. Ada, calme-toi. Hein? Pas calme-toi. De négociation. N'écris pas. N'écris pas que les gens t'entendent. Ils croiront que je dérange ma famille. Je viendrai au shop. Quel shop? Je vais te donner l'argent. Pas question. Je t'ai facilité la tâche. Je suis venu chez toi à la maison. C'est l'argent que tu veux. Fais gaffe. Non, calme-toi, Ada. Calme-toi. Je ne pleure pas. Arrête de me distraire. Calme-toi, tu n'importe quoi. Ada. Fous-moi la paix. Là où tu mets tout ce que tu dis là ne m'intéresse même pas. Laisse-moi, non, Ada. Paye-moi mon argent. C'est pas pour des jeux que je suis venu ici. Ça, c'est pas bien. Paye mon argent. C'est quoi ça? Ken. Es-tu rentré? Qu'est-ce qui se passe? Ken, c'est ton frère. Il vient dans mon shop pour prendre mes articles sans pour autant me payer. Hein? Et tu sais que je n'ai pas encore un grand shop. Il arrive à retenir même tout mon capital. Combien tu vas-tu? C'est oui, ça diminuera. Combien? Ah! Menteuse! Ton argent, c'est 500 naira. Comment c'est devenu 18 naira? Tu peux faire le calcul. Alors, regarde, prends cet argent. Prendre quoi? C'est comme ça que tu gaspilles l'argent? C'est comme ça que tu gaspilles l'argent, Ken? L'argent n'est pas fait pour être dépensé comme ça. Ton argent est 17 000 naira. Ken! Parle à ton frère, non? Prends, c'est 7 000 naira. J'ai bien compté, je n'ai pas commis d'erreur. Tu prends le temps de les compter, c'est l'argent de mon frère, ce n'est pas l'argent de ton frère.
Yes. Lorsque nous serons partis d'ici, nous allons tous droit aller au site. Je vais voir ce qui se passe. Je dois monitorer le travail là. Ah oui, ce n'est pas du tout un problème. Très bien. Alors, dis-moi un peu, est-ce que tu as reçu les documents? Oh oui, je les ai tous. Tu les as? Oui. Très bien, très bien. Est-ce qu'ils sont corrects? Oh oui, j'en ai déjà. Ah, ça c'est bien, c'est très bien. C'est une bonne chose. Ah une oui, c'est chose. Ça. Je comprends. Ken. Je crois que je n'ai pas gardé une dent contre moi à cause de la manière avec laquelle je me suis tenue chez toi. Non, comment devrais-je être en colère? C'est à suivre, non? Tu t'es venu juste chercher ton argent. Non, c'est bien. Merci. Alors, les choses se passent très bien ici. Ok. Et de toutes les façons, je ne voudrais pas que ces projets s'arrêtent à mi-chemin. Je veux qu'ils continuent de travailler, s'il te plaît, laisse-les poursuivre leur travail. Parce que c'est dans peu de temps que je vais rentrer en ville. Je crois que c'est dans 2 semaines que je vais rentrer. Très bien, ça ne sera pas du tout un problème. Je vais aller voir l'ingénieur pour qu'il vienne te voir aussi. De toutes les façons, je pense que je vais chercher tous ces travailleurs. Bien sûr. Non, je pense que je dois amener les professionnels de la ville. Parce que je ne comprends plus ce qu'ils font. Ils sont trop lents. Tu ne sais pas que ça va encore coûter plus cher. Bien sûr que oui, ça sera cher, mais je vais palper du doigt le travail. Hein? Le travail, l'œuvre. Je vais voir ça de mes yeux. D'accord. Regarde, mais j'avais oublié de te dire. Je connais un accident en venant ici. Quoi? Un accident. Hé, hey, Mbano, arrête de me dire ça. Comment ça? Je ne sais pas, mais j'étais en train de conduire. Et après, je n'ai pas compris. C'est comme s'il y avait un chat qui avait traversé la route. Et j'ai perdu le contrôle. Et j'étais là, Jésus. Et jusqu'à ce que j'ai parqué les véhicules dans un coin là. Je remercie Dieu pour ma vie. Oui, hey. Gloire à Dieu. Dieu merci. Dieu merci. Mais tu n'es pas blessé. Non. Quand je suis descendu, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune blessure. Rien du tout. Et juste une petite égratignure sur le véhicule. Mais ça, ce n'est rien. Que l'accident aille très loin de toi. Si on veut te faire du mal, c'est zéro. Ah non, ils ont échoué, Tout arme forcée contre toi sera sans effet. Non. Amen. Rien du tout. Amen. Amen. Regarde, tu vois cet endroit. Regarde ça un peu. Et ça me paraît vraiment pas droit. Tu penses qu'on doit les ramener un peu comme ça? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Tu comprends un peu? Hein? Il n'y a pas. Ce sont des choses sur lesquelles il faut. Oui, très bien, ça sera fait. Ne t'inquiète pas, ça sera fait. Allô, chérie. Je suis impatiente de te voir aussi. Je vais m'assurer de venir un peu plus tôt. C'est ce que je dois faire. Tu sais comment est le trafic d'ici? S'il te plaît, reviens. Tu sais, je ne peux vivre sans toi. Oui, bébé, oui, mais je... Oui. Et s'il te plaît, prie. Prie. Je ne veux pas ce qui t'est arrivé autrefois. T'arrives encore. Je crois que tu m'as compris. S'il te plaît, mets cela en pratique. D'accord. Impatience de te revoir. D'accord, mais alors je dois prendre sur le toit, alors je dois partir maintenant. Merci beaucoup, bébé. Prends bien soin de toi. D'accord, bye. Bye. Regarde-les. Regarde-les. Les deux fous sans avoir l'intelligence dans leur tête. Regarde comment ils dorment comme des fous. Comme des idiots. Qui n'ont aucun sens de la vie. Regarde-les. Hey! Les dieux de mes ancêtres. Pourquoi avez-vous choisi d'envoyer ces afflictions sur moi en nom d'enfant? Hein? Pourquoi est-ce que tu avais choisi me donner ces porcs comme enfant? C'est mieux être sans enfant qu'avoir ceci. Okangama, qu'est-ce que vous faites ici? Regardez-les. Hey! Oh!
Regarde, Ken. Mon jeune frère. J'ai souffert avec l'enterrement de sa mère avant qu'il arrive. Regarde maintenant, il est vraiment stable. Il est marié. Avec les enfants, belle femme et de bons enfants. Bientôt, sa maison sera finie, va s'installer là-bas et va me laisser celle-ci. Vous devez grandir vite pour commencer aussi à m'aider, moi, votre père. Abugini Oki, Abugini Ada. Ok, d'accord. Je sais quoi faire. Je sais exactement ce que je vais faire. Les inutiles. Continue à dormir là-bas, attendez. Je t'apporte de l'eau. Attends. Doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Attends. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dis-moi, non? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Calme-toi. Doucement. Hey. Adilo. Hey. Quand Ken a quitté ce village, il s'est peigné du mal de tête. Ken ne se plaignait pas du mal de ventre. Il avait la force en bonne santé. Comment est-ce que quelqu'un m'appelle pour me dire que mon frère Ken est mort? Vous voulez que je garde silence? Ken n'est pas mort. Il va revenir. Il va revenir bientôt. D'ailleurs, laisse-moi l'appeler. Pourquoi je parle? Cela veut dire que ma carrière musicale est finie. Je suis foutue. Papa, tu en sais quelque chose? Ferme ta bouche, que la faute s'abatte sur toi. Si tu veux pleurer, pleure en silence, n'appelle pas mon nom. C'est bien. Mais pourquoi est-il parti maintenant? Il est parti tôt. Pourquoi il n'a pas entendu un peu plus tard? Allez, c'est bon. Comme ça, moi, j'allais inviter tous mes gars. Mes amis comme Davido. Oh, vraiment? Des gens comme Wizkid, même oui. Snoop Dogg. S'il avait entendu, j'allais le dire à mes amis. Et ils allaient venir. C'est bon. Hé, hey, papa. Papa. Grand frère. Diane, Ifoma, qu'est-ce qui t'a fait courir comme ça? Papa, le pire est arrivé. Que veux-tu dire par le pire est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens des Amoudou maintenant. Et j'ai entendu que ton ami Teke m'est mort cette nuit. Ah, non, ça n'a pas de sens. Ne blague pas 26 ans d'histoire. C'est quoi ça? Comment ça, il est mort la lune dernière? Il avait quoi? Papa, je ne blague pas. Oh, tu peux aller le voir par toi-même. Chokwai. Je l'ai appelé plusieurs fois. Mais il n'a pas répondu. Où est-ce que tu as appris ça? Papa, je l'ai entendu partout. Hé! Hey. Mais cette histoire est vraiment sérieuse. Oh. Bon, d'accord. Garde bien la maison. Tu m'as bien entendu. Ne bouge pas d'ici. Hein? Je reviens. Je vais aller voir. Mais Ada, ça traîne. Où est-ce que tu es? Fais vite, Ada. Cette bière est chaude. Apprenez à respecter les gens. Hein? C'est quoi ça? J'arrive. Oh. Pourquoi est-ce que tu as traîné comme ça, Ada? Peu importe, je suis là. Occupe-toi de ce que je t'ai apporté. Tu sais que la vie, c'est manger. Si tu trouves l'argent, tu manges. Si tu n'as pas eu l'argent et qu'il y a l'argent à la maison, tu manges. Parce que tu vas mourir un jour. La vie, tiens. Mmh.
Je me rappelle. Hein? Il était un homme bien. Ah! La dernière fois qu'il était ici avec son prestataire aisé, il était très très en forme. Hein? Je ne sais pas ce qui pouvait les tuer aussitôt. La vie est rien. C'est pourquoi il faut faire d'abord la vie. Parce que tu iras un jour, tcha tcha tcha. Si la personne meurt, cela signifie, nous flottons seulement dans les heures, séparés à un avion. Et c'est comme ça que tu réfléchis. Hein? Si tu veux, tu peux rester là et continuer de rêver. C'est quelle façon de voir les choses comme ça? Tu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a tué? Ah, que son âme repose en paix. Amen, oh. Amen. Ah. S'il te plaît, amène-moi une bouteille d'Anneken. C'est ce que tu crois? Regarde-le. Tu n'avais pas entendu ce que je t'avais dit avant. Apporte-moi ça. Je sais bien que je vais te payer. J'ai l'argent. Tu peux rester même jusque demain. Comme tu peux voir, j'étais en train de faire des choses à l'intérieur. J'ai mangé. Tu vois mon cure-dent? J'ai mangé moi aussi. Ada? Chai. Honnêtement, je ne pouvais pas le croire. Il m'a aussi brusque. Ton frère m'a donné une liste de choses que je devais faire sur le site. Il m'a même demandé de l'appeler ce matin. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Maintenant, j'apprends qu'il n'est plus. Hey, bam, 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 bam. Non. Ah, non, 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 non. Tu sais que quand tu l'appelais, de la même manière que moi, je l'appelais aussi. Et son téléphone était éteint. Je crois que Ken, il dort. Mais je ne vais pas croire en ce que disent les gens. Qu'il ne plus ou peu importe. Laisse-moi l'appeler. Son téléphone est toujours éteint. Mais une seule chose qui est sûre, mon frère Ken dort encore. Il ne peut pas mourir parce que ce n'est pas de cette façon qu'il meurt. Les gens ne meurent pas comme ça. Ken, réveille-toi de là où tu es. Nous avons besoin de toi. Je n'ai pas confiance en ce que les gens disent que tu es mort. Ce n'est pas vrai, oh. De toute façon, pour ce qui vient de se passer, il faut que nous arrêtions le travail. Jusqu'à l'enterrement de mon ami. Sa femme et ses enfants sont déjà ici au village pour la préparation. Alors, après les funérailles, je vais discuter avec elle et nous saurons ce que nous allons faire prochainement. Mais pour l'instant, pour respecter celui qui est mort, arrêtons les travaux. Et pleurons-le d'abord. Vous me comprenez? D'accord. Merci. Ken? Ken? Je sais que tu peux m'entendre. Tu es mort et enterré, oui. Mais je sais que tu peux continuer à m'entendre. Moi, ton frère. Si ta mort est naturelle, repose en paix. Mais si ce n'est pas le cas, ne fais vengeance à personne. Ne combat personne. Ne tue personne. Car c'est à Dieu la vengeance. Il combattra pour toi. Oui. Repose en paix, continue à reposer en paix. Hein? Oh, tu dors encore? D'accord. Tout être humain doit passer par la vie d'au-delà. Donc, est un monstre. Nous partons, rester reposés en paix.
Oui. Ne combat personne. Fais vengeance à tout le monde. Jésus, oh mon Dieu, mes enfants, au nom de Jésus, Dieu protège mes enfants, sécurise mes enfants, sécurise mes enfants, Jésus protège mes enfants, au nom de Jésus. C'est un rêve vraiment très étrange. Achoroko, es-tu sûr que c'était Argo que tu as vu dans ton rêve? Ah ah, comment je peux accuser mon beau-frère? C'est Ago que j'avais vu. Il coupait l'arbre et il était torse nu. Et aussi, il était en train de prononcer d'autres paroles que je n'ai pas comprises. C'était lui. C'est bizarre. C'est très bizarre. J'avais crié et j'ai pris fuite. Et il m'a poursuivi. Et il m'attaquait même avec la machette qu'il avait entre ses mains. J'avais vraiment peur. Non, 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 ça c'est vraiment bizarre. Bah, écoute, je ne sais que penser de ce rêve. Ago avait ses problèmes, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il veuille tuer son propre sang. Je ne sais pour quelle raison, je ne sais pas. Je ne pense pas vraiment. C'est à ça que je pense aussi. C'est ça les problèmes, parce qu'il a été toujours gentil envers moi. Oui, il avait ses problèmes à lui. Mais je n'imagine pas qu'il soit capable de tuer son frère de cette manière-là. Je ne pense pas. C'est bon. Considérons juste comme si c'était juste un rêve. Ou encore, c'est peut-être quelqu'un qui utilise son visage pour se déguiser en lui. Quelqu'un? Est-il même possible? Tu n'as aucune idée de ce qui est possible. Tu sais, les gens qui sont dans les sciences occultes, arrivent à se déguiser en d'autres personnes en prenant leur forme. Hein? Mais ne t'inquiète pas, je ferai mes propres enquêtes, d'accord? Et tout ce que je vais découvrir, tu vas le savoir. Ok, d'accord alors. Merci beaucoup. Ouais, merci. Il n'y a pas de quoi. J'étais vraiment inquiète, c'est pourquoi je suis venue te parler. Laisse-moi aller préparer pour les enfants. Oui, d'accord. Je te verrai après. D'accord, c'est bon. Merci. Tantinene. Tantinene. D'où vient-il les grands matins comme ça? Si je vous dis, vous n'allez pas comprendre. Mais vous savez, une jolie femme comme vous, vous tente-t-il, vous ne savez pas le temps qu'il fait la journée. Parce que si c'est le matin, ça sera pour vous comme la journée. Si c'est la soirée, ça sera aussi pour vous comme la journée. Pourquoi? À cause de la beauté que vous avez. Tu n'as pas répondu à ma question. D'où viens-tu? Je viens de Stamford Bridge. Tu viens de faire quoi? Oui. C'est quoi ça même? Où les champions comme moi s'entraînent. Ah mon Dieu. Je vois. Oui, yo. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que je peux voir dans tes yeux que tu fais quelque chose. Pourquoi vous avez dit ça, non? Pourquoi vous avez dit ça?
Mais je ne peux pas dire non à la majesté royale. Mmh. Hein? Ah! Mmh. Hey. Hey. D'accord. Pourquoi vous m'avez donné ça, non? Prends d'abord ça. Pourquoi vous m'avez donné ça? Hein? Mmh. Oh. Utilise ça pour acheter de l'eau quand tu reviendras de ton entraînement. Et tu ne vas pas te fatiguer. Je ne vais pas dire ne t'en fais pas. Mais une chose, je vais me rappeler que tu y es prévoyante. Et ça, c'est comme un investissement. Parce que tu sais ce que je serai dans les proches futurs. Mmh. Je te crois. Je te fais confiance. Je crois que tu peux le faire. Et pour cet argent, laisse-moi te dire. Hein? Toute arme est forgée contre toi. Hein? Sera nul et sans effet. Amen. N'importe quel sorcier ou magicien qui vont comploter contre toi, laisse ces sorciers aller chercher leur œuf pour que je mange et bois. Je peux les prendre. Tu vas les manger. Et encore, je n'ai pas encore prié. Tous les sorciers qui viendront sur ton chemin, ces démons ne te verront pas. Ils verront le feu que tu as. Amen. Amen. Mm-hmm. Merci. Mm-hmm. Mais sérieusement, je crois que tu te considères comme un pasteur. Mais pour ce que tu es en train de faire, il serait mieux que tu sois à l'église au lieu de faire ce que tu es en train de faire là. Ah, hein? Votre Majesté. Maintenant, vous êtes en train de m'insulter. Ah, Mbao, tu ne vois pas, tu ne vois pas ses talents quand tu me regardes. Ne vois-tu pas Ronaldinho? Tu ne vois pas Obi Mikel? Ne vois-tu pas? Hein? Laisse-moi, en tout cas, laisse-moi, je vois. Laisse-moi te vanter. Au moment où je te parle, Arsenal, Manchester, Real Madrid, Sunderland, ils m'ont appelé, ils veulent me recruter. Et le fait de signer, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tu sais, pour une raison, à cause de tous les talents que j'ai, je leur ai dit, comme Arsenal maintenant, j'ai dit non à Arsenal, parce que je connais comment ils gagnent la France. Je les ai dit non, qu'ils ne peuvent pas me recruter. Tu sais que je suis un joueur talentueux. Tu le sais. N'a quoi tenir, tchè. Michael, c'est bon? Je pars maintenant marcher. Alors, tu peux partir à tes aventures et jouer. Ok. Je te verrai après. Mais tu viendras lorsque je reviendrai. Je fais les déjeuners. Déjeuner? Quel genre de déjeuner? Une sauce délicieuse. Hey, je crois que tu vas l'aimer. Non. Tu sais que je joue le haut niveau. Oui, parce que maintenant, tu devrais parler de Windomie, la pizza, les shawarma, même les macaronis. Tout ça, je vais en préparer. Non, ne t'en fais pas. Laisse-moi te dire, regarde, juste prépare ça. Pour demain, je veux continuer avec mon régime. Je vais le faire, t'inquiète. Non. T'inquiète. Ah, la majesté royale. Ma tante, personne ne peut plus jouer avec toi. C'est un investissement. Je ne vais pas les bouffer. J'irai les garder en bas. Et quand je déciderai, je viendrai chez toi. Merci. Keno! Oh mon Dieu! Celui-ci c'est Ken! C'est quoi mon mec? Oh, je suis là! Très bien! Comment très vas-tu? Oh, ah, désolé, avant que j'oublie, je te présente ma fiancée, Gigi! Salut, comment tu Gigi, vas? Gigi, vas-y Ken! Le plaisir est partagé! Vous savez, ok mon ami, a toujours déjà des choses qui brillent comme ça! Tu le sais déjà! Tu le sais! Je suis pas surpris, content! Tu le sais! Mon gars! Keno! C'est comment, bro? Je vais bien, mec. Ouais, mec, tu sais, bon, j'étais supposé aller au Vietnam demain. Ok. Ouais, donc je voudrais ramener ma famille là-bas au village. Oh. Donc oui, si j'ai besoin de te voir, il faut. Je suis quelqu'un qui peut ramener les choses là-bas au village. Ok, c'est bien, je sais un peu de rentrer à la maison. À plus tard, mais je ne sais pas si tu es toujours là. Oh, ok. Oui. Tu sais, bon, y a quelque chose qu'on doit discuter. D'accord. Tu es là. Mais voici, je suis là. Avec la belle. Non, moi, je suis là. N'importe quel jour, quel moment, moi, je suis là. Je vais bien. Alors, comment est-ce que ça va se passer? On garde contact, n'est-ce pas?
Ok, ok. Où est ton téléphone alors? J'ai oublié mon téléphone. Ah. Alors, on fait quoi? Attends, amène maman là-bas et puis je te Ok, prends... ça va. Je viens te voir. Ok, ça va. Ok, no. Ok, boss. Merci, Kino, merci. Mon meilleur ami. Il n'y a pas de problème, je t'attends. Mais... Kino, donne-moi juste deux minutes. D'accord. Pardon, d'accord. Je t'appelle maintenant. D'accord, là. C'est bon. Et comme ça, tu voulais me laisser, non? Regarde ça, tu vois? Oh, Baba, je confirme que c'est somptueux. Oui, non. Et j'ai acheté un Vietnam. Tu sais comment les choses se passent. On achète et puis on garde, non? Ok. Une très bonne qualité. Bro, qu'est-ce qu'il y a? La fois dernière, tu ne m'avais pas dit que tu fais ce genre de business. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, et tu as vraiment raison de dire ça, mais présentement, je dois aller vendre parce que j'ai un méga projet là au village. Et pendant que nous sommes en train de parler, ma femme est au village. Et je dois aller en Vietnam demain. Donc j'ai besoin d'un peu d'argent pour mes dépenses. Oui, c'est vraiment somptueux. Toi-même, tu sais comment est-ce que ça se passe. C'est un peu difficile à vendre, mais je vais faire de mon mieux. Oui. Mais pas de pression, d'accord? C'est juste quelque chose de bien. Donc essaye d'en faire avec un bon prix, d'accord? Alors, mec, tu comprends un peu. Ok, d'accord, bro. Je suis encore là. Peut-être je peux faire une semaine. J'ai un petit projet et j'achète quelques biens là, tantôt au Ghana, tantôt ici, une ou deux semaines. Non, c'est bien. Ça veut dire que tu es en train de pouvoir. Mon cher. Ouais. Oh, c'est bien, je trouve que tout c'est bien. Mon cher, il y a une chaînette que j'ai vue là. Ouais. Baby. Oui, bébé. Ah. Écoute, bébé. Pourquoi ils veulent seulement que tu le vendes? Pourquoi ne pas le faire eux-mêmes et t'envoyer seulement de l'argent? Je dis, tu sais, c'est pas du tout facile d'envoyer l'argent, c'est bon, comme ça, aux gens que tu ne connais pas. Bébé, non, je crois qu'on en avait déjà parlé. Je ne suis pas contente. Hein? Aussi, tu avais écouté quand il avait dit qu'il va voyager pour Vietnam demain. Et la famille a besoin de cet argent au village. Écoute, moi, je juste dis non, parce qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup changé. Parce que ça peut être une chose volée. Sérieusement, pas Ken que je connais. Je t'avais dit avant, hein? On en avait parlé. Je sais que Ken est vraiment logique. Je le crois complètement. Là, tu pars encore. Oh, chérie. Tu as toujours essayé. C'est même ça, les problèmes. Tu essaies avec n'importe qui. Tu changes à tout moment. C'est ça, ton vrai problème. Les gens ne sont pas constants. Ils changent n'importe quel moment. La personne que tu aimes aujourd'hui peut devenir ton ennemi demain. Je ne fais que parler. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive demain. Bébé, doucement. Écoute, hein? C'est bien. J'ai compris. Je serai très prudent. C'est à toi que j'écoute, chérie. Regardez comment est-ce qu'il me flatte. Ce que je veux pas, c'est que quelque chose t'arrive. Oh, chérie, je ne peux rien te cacher. Crois-moi, il n'y a rien de mal qui va m'arriver. C'est juste Ken, non? Ken, vraiment, c'est un garçon bon. Wow, tu chantes bien. Je suis si fière de toi. Merci, tontine. Merci. Wow, c'est bien. Merci. Tontine, t'inquiète pas. Quand je partirai à Dubaï pour le prochain concert, je te dis, tout le monde va m'adorer. Dis-moi un peu. Tu as un concert à Dubaï? Ne me dis pas que tu ne le sais pas. Je veux dire, tout le monde dans ce village, d'ailleurs, le monde entier sait que moi, Riri, l'international, j'ai un concert à Dubaï. Et tu es la seule qui vient de Jérusalem, quoi? Ce n'est pas ma faute, non. Tu sais, je viens d'arriver dans ce village, je ne connais aucune nouvelle. Ok, dans ce cas, je te donne l'information ainsi que de la musique. C'est vrai? Pour t'encourager. Ma fille bien-aimée, tantine, c'est pourquoi je t'aime beaucoup. Tu m'aimes? Bien sûr, merci. Mais, Bia, pour quelques informations, combien ça me demandera? Dis-moi la vérité. Non, t'inquiète. T'inquiète, c'est gratuit pour toi. C'est rien du tout. Toi, vraiment, je te connais bien. La seule chose que tu fais gratuitement, c'est la musique. Alors parle-moi, combien? Tu veux vraiment me payer? Dans ce cas, pour toi, je n'aurais besoin que d'un peu d'argent.
je te donnerai l'information et la musique à Dessonera seulement. Tu dis? Dessonera. Vraiment? C'est parce que c'est toi. Tout cet argent, juste pour une formation. Une formation. Non, ça c'est vraiment trop pour moi. Ton titre, pour Baba. Avoir des formations dans ces villages, c'est très compliqué. C'est vraiment difficile. Nous ne sommes pas en ville où tu peux t'informer facilement. Oh, arrête facilement. Ça. Hein? Ton titre, c'est pas cher. J'ai dit cette somme juste parce que c'est toi. Ok. Ok, je t'ai écouté. Je verrai quoi faire. Mais chante la musique, je vais écouter. Oh, mais c'est du business, ton titre. Nous sommes en train de parler de business. Hey. Donne-moi l'argent, je te joue la musique et ensuite tu auras l'information. Ok, laisse-moi voir ce que j'ai. Hey, oui, oui. Tantine, tantine. Allez, vas-y. Attends, attends. Oui. Voici tes demi. C'est magnifique. C'est vraiment du business. Et rassure-toi de le faire bien. T'inquiète, je le ferai. Tu vois, j'ai pas changé. Musique. Es-tu prête à danser? Oui. Tu dois danser pour moi. J'ai pas envie Peux-tu de perdre ma musique. Mes bébés, est-ce que vous pouvez aller jouer? Je vais parler avec l'oncle, ok? Et s'il vous plaît, soyez prudente. Okay. Ok, maman. Elle me rappelle leur père. Elle continue toujours de me demander. Maman, quand est-ce que papa reviendra? Mais ne t'inquiète pas. Je sais que tout ira bien, d'accord? Je prie seulement. C'est la vie. Juste hier, on était en paix. Et on parlait de notre futur. Et aujourd'hui, où sommes-nous? Je sais. Tu sais, il y a des choses dans la vie qui ne peuvent pas vraiment être expliquées, tu vois. Mais honnêtement, Dieu sait toutes choses. C'est lui qui sait tout. Et nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons rien faire d'autre que de lui faire confiance. Car lui seul sait tout. Nous devons espérer en lui pour le mieux. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Bien. J'ai décidé de rester. Je vais un peu faire de l'argent. Avant que je rentre en ville. Et de toutes les façons, je ne serai pas à rester ici. Je serai toute seule. J'ai besoin de rentrer. Mais de toutes les façons, ici au village, j'ai une personne comme toi. Mon mari m'a laissé un bon ami. Qu'est-ce que j'allais faire sans toi? C'est pourquoi j'avais décidé de... Je sais. Le problème, c'est juste le temps. Tu sais, il faut que tu te donnes le temps de guérir et te sentir mieux. Tu vois, honnêtement, il n'y a aucune raison de se presser là-dessus. Mais il y a une chose pour les enfants. Ils doivent reprendre l'école, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je pense à propos de ça. Mes filles sont intelligentes. D'accord. Elles vont réussir. Et d'ailleurs, je les enseigne souvent ici à la maison. Mais alors, et cela va nous donner le temps d'être ensemble. On a rarement le temps pour nos enfants. Toujours occupé. Alors maintenant, on doit être fort. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais sinon, c'est bien que tu aies pris une bonne décision. Et comme je l'ai dit plus tôt, tout ira très bien. Tu sais, au besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Merci beaucoup, beaucoup. Non, il n'y a pas de quoi. Que Dieu te bénisse. C'est bon. Et j'ai un rendez-vous avec quelqu'un quelque part. Okay. Je vais essayer d'y arriver Merci rapidement. Merci beaucoup d'être venu. Merci D'accord? beaucoup. Très bien. Ha 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 ha!
comment allez-vous? Oh, maman. Je suis content comme vous êtes bien pourtant. Ah, Ounye, tu es là? Oh, t'as quoi? Oh, Goya? Oui, bonjour. Bonjour. Tu es là? Oui, ça va. Je ne savais pas que vous étiez là. Oui, je suis venu il n'y a pas longtemps. Je m'amusais un peu avec mes enfants. Clairement, je vois que vous allez bien. Oui, nous allons bien. Merci. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Bah, il n'y a aucun problème. Ok. Ok, d'accord. Ok, je suis venu vous saluer et voir comment vous évoluez. Par la grâce de Dieu, je vois que vous êtes toutes bien pour moi. Nous allons bien. Je prends congé de vous. Nous sommes très fiers de vous. Merci beaucoup d'être venu. Ah, vous êtes si gentil. Tu ne dois pas me remercier, Nena. Ces enfants sont aussi mes enfants. Tu y es ma femme. Tout ce qui appartient à mon jeune frère m'appartient aussi. Et maintenant, il n'est plus. Je dois assumer la responsabilité de vous tous. Hein? N'hésite pas de... À chaque fois que tu as besoin de quelque chose. Ok. Les enfants, est-ce que vous me comprenez? Hein? Je vais voir ce que je vais laisser à la maison. Ok, merci beaucoup. D'être... Merci. Bye bye. Donc, tu as encore fait le même rêve? Oui, je l'ai fait. Oui, les mêmes rêves. Il était en train de couper l'arbre et il était torse nu. Et c'est le visage de Ago que tu as encore vu? C'est lui. C'est le même Ago. C'est lui. Hein? Cette fois-ci, il souriait comme pas possible. Et dans ses rêves, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Et directement, je me suis levée. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme pour moi. Mon Dieu, ça c'est vraiment très étrange. De toute façon, dès demain, j'irai voir le plus vieil homme de notre communauté. Et je vais lui poser des questions concernant le rêve de cette nature. Mais, il y a une chose que tu dois faire pour toi-même. Tu ne dois pas paniquer. Essaye de rester calme. Et plus important encore, prie. Je veux dire, prie. Prie sérieusement contre tout esprit de mort dans cette famille. Sans effet, oh. Que ça n'arrive plus. Je ne suis pas prête pour ça. Je vais prier sérieusement et je continuerai de prier. Continue de prier, il n'y a pas de fin pour la prière. Je le ferai. Que ça s'arrête. Que ça s'arrête, je ne suis pas prête pour ça au nom de Jésus. Ah, voyons. Mon amour, je descends un peu vite à Amosa. Je vais aller vendre cette marchandise. Si tu me dis bon aller, je viens avec l'argent au même moment avec la marchandise. Bébé, écoute, je veux que tu m'écoutes très bien. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Si tu suspectes quelque chose, juste rentre, je serai là pour t'attendre. Ok, madame. Pas d'histoire. Je t'ai entendu, madame. Madame la secrétaire. Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Oh, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas me perdre, je suis un grand homme. Je vais revenir. Je vais juste te voir en forme, mon gars. Ne t'inquiète pas, je reviens bientôt. Okay? Écoute, tu as intérêt de faire attention. Je ne peux pas rester seule. Oh, ne t'inquiète pas, je reviens bientôt. Tu sais combien je t'aime. Comment est-ce que je peux te laisser, bébé? Et je vais te laisser avec qui? Tu m'appartiens, bébé, je ne peux pas te laisser. Qui est à moi? S'il te plaît, chérie, fais attention. Ok? Oh, mon Dieu, je vais rentrer bientôt, ok? Ok, prends soin de toi, bébé. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Bye. Je suis partie. Au revoir, bébé. Bye. Fais attention.
Oh Seigneur, je te supplie de le protéger. Je ne peux pas vivre sans lui. Agu. Je t'écoute. Agu, mon problème avec toi est que tu ne réfléchis pas. Oui, ton cerveau là, ça ne tourne pas. Écoute-moi. Si tu ne te comportes pas en homme, et si tu ne te comportes pas comme un homme qui est différent d'une femme, hein, cette femme prendra tout le bien de ton frère et s'en aller avec. Adana, hein? D'où est-ce que tu as eu tout ceci? Hé, hey, écoute ce que tu me demandes. Je ne suis pas pour une petite fille ou quoi? Je suis une femme. Une femme aussi complète. Et je sais c'est à quoi une femme peut s'attendre à un moment comme celui-ci. Je sais que tu n'es pas exposée. Hein? Et cette dame sait que tu n'es pas exposée. Elle ne fait qu'en profiter pour prendre tout ce dont elle a besoin, sachant que personne ne l'en empêchera. Ago, quand cette femme va se transformer en un scorpion, tu ne vas plus jamais le reconnaître. Est-ce que tu m'entends? Ça sera comme dans un rêve, juste comme ça. Bouge! Ne rêve pas. Oh, où est-elle? Oh, mon chéri. Oh, bébé. Tu es rentré. Oui, je suis rentré. Ça s'est bien passé. D'ailleurs, j'étais capable de le vendre à 7 millions. Ah, ah! Oui. C'est beaucoup trop peu. Et cette montre n'aura beaucoup plus de valeur que ça. Oui, je sais, je sais. C'est le marché noir. Et d'ailleurs, ils ont payé cash. Vraiment? Hé, hey, bébé, je me suis rappelé. J'essayais d'appeler Ken. Son numéro ne passe pas. Vraiment? Je suis inquiet. Bon, ok, ce n'est pas un problème. T'inquiète pas. Je suis sûre qu'ils finiront toujours par te donner dès que c'est bon. Ok. Mais moi, j'ai tellement faim. Oh, c'est quand vrai. Quand tu sors, je n'arrive pas à manger seule. Oh, ça c'est vrai. Désolé, désolé. J'étais vraiment occupée. C'était les jours du marché. Je peux m'imaginer. Oui. Et t'en fais pas. C'est fait, bébé. Laisse-moi aller prendre une douche. Je vais sortir avec toi pour aller prendre voilà. Chéri. Je donne 100% raison à Adana. Hé, hey, Ago, quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu seras en tête de tes ennemis? Tu es toujours lent avec le penser. Tu es toujours lent en prenant la décision. Et c'est exactement comment mon jeune frère Ken a gagné la vie. Au moment où je suis resté au village en train de perdre mon temps, cette jeune fille a fait un point que je n'ai jamais considéré ou soit pensé. Il a gagné beaucoup d'argent avant qu'il meure. Comment est-ce qu'il n'y a personne qui se pose la question réelle et juste? C'est la richesse de mon frère, c'est également pour moi. Je m'étonne. Que nous allons rentrer à la maison. Hey.
Chérie, tu es déjà fatiguée de ce village? C'est quoi le problème? Maman, pourquoi papa ne rentre toujours pas à la maison? Il viendra ici nous rencontrer. Ouf. Venez ici, vous deux. Écoutez, papa a voyagé et il reviendra très bientôt. Mais pour le moment, nous devons rester ici au village et prendre soin de la maison. Hein? C'est bon? D'accord, maman. Oh, je sais que vous êtes fatiguée. Nous allons partir à très bientôt. C'est bon? D'accord, maman. Vous étiez en train de lire les cahiers. Où est-ce que vous avez laissé ça? On l'a déposé sur la table. Ok, allez-y les lire. C'est bon? D'accord, maman. Ça doit être comme ça. Pouvez-vous imaginer? J'étais allé là-bas, à la maison de mon jeune frère. Cette femme ne m'a pas donné même la chaise. Aïe. Simple chaise. Vous voulez dire que ceci est vrai? Il est exagéré. Mais ça, ce n'est pas mes problèmes. Ça me frappe la tête. Vous savez mon inquiétude? Mon inquiétude est qu'elle part partout dans le village. Elle dit aux gens des bêtises et les gens l'écoutent. Disant que mes enfants... tel que vous êtes à deux, que vous êtes des inutiles, que vous êtes incapables de faire quelque chose de bon dans la vie. Est-ce que vous papa? Imaginez cela? Papa, il t'a dit ça? Il a dit beaucoup. Hey! Papa, cette fille exagère. Je vois qu'elle me cherche. Hein? Écoutez. Papa, c'est ce qu'elle a dit? Il a beaucoup parlé, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ne lui demandez rien, sinon elle va nier. Ce que je veux que vous fassiez est que... je sais ce que je vais faire. Je vais rendre cette vie misérable pour elle. Je vais rendre cette vie qu'elle vit un enfer pour elle. Hein? Papa, tu n'as pas à t'en faire. Ne t'en fais pas. Nous ferons de sa vie un enfer. Mm-hmm. Si elle veut, elle va même fuir la cité. C'est très bien. Nous allons mobiliser la jeunesse. Uh-huh. Et les anciens. Et Djebe Ban. Même Tienne et Kako. C'est très bien. C'est vraiment bien. C'est ce que je veux. C'est ça, mon fils. Je ne suis pas contente. Papa, sais-tu que oncle Ken avait promis de sponsoriser ma carrière musicale? Hein? Et maintenant, cette femme vient de remuer le couteau dans la plaie qui commençait déjà à cicatriser. Elle m'énerve vraiment. Regarde. Tu sais, tu aimes beaucoup ta propre personne. Tu parles de toi-même. Tu parles de toi-même, de tes propres affaires. Alors comment, moi, je suis supposé de devenir un héros? Des marchés aussi sur l'argent. Hey, c'est ça. Imaginez un peu. Tu sais, dans ce village, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Imaginez un peu. Hein? Oganaga. Tu vois ça? Tout ça parce que... notre oncle est mort. Nous sommes délaissés. Mais oui. Tu vois? Juste regardez toute la richesse qu'elle refuse que cette famille n'en bénéficie pas. Hein? Regardez un peu. Vous savez quoi? Elle croit qu'il a dessus tout le monde. Mais c'est une grosse erreur qu'elle a faite. Parce qu'elle ne peut pas me décevoir, moi, Abu Djebu. Elle ne peut pas. Elle a tout fait pour tuer mon frère. Mais pour moi, il a échoué. Laissez-moi vous dire quelque chose. Demandez tout ce que vous voulez, vous en avez le plein droit. Demandez tout ce dont votre oncle, mon jeune frère, vous aviez promis. Même un kobo. N'osez pas lui laisser. Est-ce que vous écoutez? Mais papa, tu sais que je te connais bien. Évite de te rendre chez elle. Parce qu'une fois qu'elle te servira à manger, tu changeras d'avis. Tu reviendras ici avec un autre discours. Je te connais bien, papa. Non, ne dis pas ça. Moi, je ne peux pas refuser d'aller là-bas. Ces enfants sont les enfants de mon jeune frère. Comment est-ce que je peux leur tourner le dos? Papa, hein? Tu n'as pas le temps de leur donner. Ebonyo. Laissez-nous nous occuper. Gardez votre position. Nous allons gérer ça.
qu'il y a? Pourquoi vous êtes ici très tôt? Je crois que tout va bien. Comment tout peut aller bien? Fais-nous le plaisir de nous donner les choses qui reviennent à notre famille. Les choses qui nous reviennent de plein droit avec ma sœur Ike. Tu y as exclu d'autres personnes? Aïe, Chidike. Michael, c'est quoi le problème? Hein? Tu es la pire démonteuse dans ce monde. Elle Tu es la pire démonteuse. Vraiment, tu crois qu'on ne le sait pas? On t'observait depuis et on sait que tu es une meurtrière. Excuse-moi. Un assassin. Excuse-moi. Regarde, laisse-moi te dire. Ok, tu sauras. Il est mêlé. Oui. Que c'est son frère. La meilleure idée est que ne cherche pas à tourner autour du pot. Toi, tu dois apporter ce que tu as. Partageons les 50-50. Exactement. Tu vois, tu donnes une partie à Eke, une partie à mon père, le tour est joué. C'est exactement ce que tu dois faire. Je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Est-ce que vous deux, par hasard, avez cogné vos têtes contre le mur avant de venir ici? C'est plutôt ta tête qui s'est cognée à un mur. C'est ta tête qui s'est cognée contre des murs, pas un mur, deux murs. Parce que tout ce qui se passe ici maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui ne va pas? Mais sans que tu le sais, qu'il ne s'agit pas de la Ruru que tu connais, la Ruru que tu avais l'habitude de tromper. Mais sinon, écoute-moi, nous n'avons plus besoin de tes mensonges. Nous n'en avons plus besoin. Nous savons que c'est toi qui as tué notre oncle Ken. Quoi? Êtes-vous fou? C'est toi qui es folle. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Comment tu peux me dire ça? Essaye encore de le nier. Es-tu en train de le nier que tu n'as pas tué notre oncle? Nous ferons quelque chose. Oh, où est-ce que tu vas? Je vais vous punir. Entends-toi. Sorcière. Tais-toi, dégage. C'est pas ce qu'on avait planifié. Oui. Calme-toi, c'était pas ça les plans. Tu es arrivé ici, tu ne parvenais plus à parler. Tu l'as laissé partir sans pour autant la tribler. Tu m'as laissé seule lui parler. Laisse-moi allez, dégage. Ça dépend de femme contre femme. Femme contre femme. Tu l'as regardé en train de dire. Êtes-vous malade? Avez-vous cogné la tête à un mur comme un idiot? Alors ces animaux pensent qu'ils peuvent insulter la femme de mon ami. C'est une erreur qu'ils ont dû commettre. Ils ne savent pas qui je suis. Quand j'aurai enfin fini de m'occuper d'eux, je verrai ce qu'ils vont encore pouvoir te faire. Ne t'inquiète pas. Arrête de pleurer. Comme je t'avais dit, tout ira bien, d'accord? Mais je vais m'occuper d'eux, sérieusement. S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Tu sais combien je suis nouvelle dans ce village. Ils ne vont pas me comprendre. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Mais comme j'ai dit, je vais seulement les avertir. Et si eux-mêmes veulent encore, je vais rapporter tout ce qu'ils ont fait à leur père. Et crois-moi, ils ne vont plus jamais répéter ce qu'ils font. Ne fais pas jamais. Ça. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ils ne vont pas comprendre. Je les connais. Ils sont des bonnes personnes. Je ne sais pas ce qui les arrive. Ils n'ont jamais été comme ça. Tu ne m'as pas bien compris, je vois. J'ai bien dit, ne t'inquiète pas. Hein? Sèche tes yeux. Essuie tes larmes. Tu as beaucoup pleuré ces jours-ci, alors c'est fini. Comme je dis, je vais seulement les avertir. Sérieusement, je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Aller parler à cette femme de manière aussi rude. Hein? À mon avis, ce qu'ils ont fait était stupide. Vraiment stupide. Aisé, je crois que tu n'es pas venu ici pour insulter mes enfants et moi. Hein? Attends, est-ce que tu es sérieux vraiment? Aisé, tu veux dire que tu as quitté ta maison et tu es venu vite ici chez moi à la maison pour me dire ce que je dois faire dans ma famille. Hein, Aisé? Laisse-moi te poser une question. Aisé, qui es-tu? Je veux dire, qui es-tu dans cette famille? C'est quoi ton intérêt pour cette maison, dans cette parcelle? Je veux dire, pourquoi tu suis à la loupe
tout ce dont qui se passe chez Nena. Ok. Je comprends un peu clairement maintenant. Donc, c'était toi qui les avais encouragés à aller faire ce qu'ils ont fait. Maintenant, tu m'as aidé à comprendre que c'était toi qui les avais encouragés à faire ça. Et tu es un fou. Comment peux-tu les encourager à aller faire ce qu'ils ont fait là-bas? Pourquoi? Et je dis, tu es un fou, inutile. Oh, c'est parce que tu me vois assis, en train de te parler, et tu veux me profiter? Et j'ai fait très attention avec moi, je ne sais pas de ton âge. Tu ne peux pas se tenir devant Ken, mon jeune frère, lui parler de la manière dont tu me parles. Laisse-moi t'avertir pour la dernière fois et ne me pousse pas à répéter cet avertissement. Que ceci soit la dernière fois d'entrer dans cette parcelle pour me dire du n'importe quoi. Eze, si tu l'oses encore, si tu oses encore le faire, Eze, tout ce village entier sera dit pour nous suffire, spécialement toi et moi. Je le répète, Eze, je ne suis pas de ton âge. Sors de ma parcelle. Chai. Eze, sors de ma parcelle ça, maintenant. Ça, c'est vraiment incroyable. Mets ça dans ta tête et crois-le. Tu ne pourras pas résister face à ce que je vais te faire, je te dis. Continue, tu ne vas pas résister, je te dis. Hein? Eze, idiot. J'écoute d'abord ma musique. La bonne musique. Je le savais. Je l'avais dit. Il n'y a rien qui peut les pousser de m'insulter ainsi. Si pas une personne qui les a poussés de le faire. Ne suis-je pas surprise? Non. Donc leur père les a dit de faire tout ça. Je me demande pourquoi Ago peut se permettre de se comporter comme un lunatique de cette manière. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose que Ken n'a pas fait pour lui quand il était encore en vie? Je n'ai jamais imaginé qu'il pouvait se comporter un jour comme un être humain. C'est pas parce que tu es une bonne personne, cela veut dire qu'il y a aussi d'autres personnes comme toi. Il est vraiment irréconnaissant. Très irréconnaissant, je dirais. Je suis d'accord. Et à partir de ce moment, il faut que tu fasses vraiment attention. Tu dois aussi bien te préparer face aux réalités que tu vis ces jours-ci. Parce que la manière dont il m'a parlé la dernière fois, honnêtement, je sens qu'il y a un plus grand danger qui arrive. Danger? Hey, Dieu. Naïf m'avait appelé. Oui, je t'ai appelé. Prends place. Nena, je t'ai appelé en respect des biens de mon défunt jeune frère. Je veux ce que tu me donnes tous les documents auxquels il est mentionné tout ce qu'il avait comme bien. Propriété? Oui. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui est difficile pour toi de comprendre tout ce que je viens de dire? Est-ce que c'est parce que mon jeune frère est mort, enterré et jamais ressuscité? Ou c'est ces documents-là qui gardent ces biens que je suis en train de te demander? C'est ce qui est difficile pour toi de comprendre? Ok. Je répète encore, pour la bonne compréhension. Nena, je veux que tu me donnes tous les documents auxquels on a mentionné tous les biens de mon défunt jeune frère. Donne-le-moi. Donne-le-moi. C'est clair? Bien. J'enverrai son ami pour ça. Parce que le est celle qui est à mesure de le faire. Alors je ne crois pas que c'est moi qui suis à mesure de le faire. Fais attention. Nena, fais attention. Tu parles du n'importe quoi et tu le sais. Quelle affaire que j'ai avec l'avocat et quelle affaire qu'un avocat peut avoir avec la tradition. Écoute, Nena. Oh.
Nena, tu me donnes l'impression de croire ce que j'entends de toi. Oui. Tu as le plan d'éliminer tout le monde de la famille pour que pour rester avec tout le bien de mon frère. Excuse-moi. Oui. Pardon. Est-ce que je peux t'écouter bien? Tu m'as bien entendu. Tu m'as bien entendu, n'était clair. Tu penses que je ne sais pas? C'est toi qui avais tué notre jeune frère pour récupérer tout ce bien. C'est une fausse accusation, tu sais. Et je crois que tu es prêt de les défendre. Nena, laisse-moi te dire quelque chose. La nouvelle est partout. Ce n'est plus un secret, c'est connu de tous. Tout le monde dans ce village sait que c'est toi qui avais tué notre jeune frère. Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai un plan parfait pour aller t'accuser à Umuada. Et quand ça va finir, Umuada elle-même, Umuada va t'appeler pour des questions-réponses. Et pourquoi vous tous vous m'accusez? Je n'ai pas fini à te parler. Tu as beaucoup d'explications à lui fournir. Et pourquoi vous tous m'accusez d'avoir tué mon mari? Qu'est-ce que je vous ai fait? Beaucoup. Nena, tu as fait beaucoup de choses. De toute façon, il n'y a pas moyen. De toute façon, il était mon mari. N'ose même pas faire semblant que, comme j'ai causé avec toi ici, tout est fini. Non, je ne vais pas te laisser. Apporte-moi ces documents. Oh. Apporte-moi tous ces documents. Et si tu continues à insister pour appeler l'avocat, ça c'est ton problème. Parce que tu as beaucoup à. Ce n'est pas nécessaire. Ça ne vaut pas la peine de beaucoup t'en parler. Tu m'as déjà entendu. Ah. Mais pourquoi est-ce que ton père ne fait que menacer cette femme innocente? Qu'est-ce que cette femme vous a fait? Qui est ce monstre qui t'a changé? Arrête pour ça. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne te comprends pas. Est-ce que par hasard tu essaies de prendre ta défense ou soit tu la soutiens? Penses-tu que je suis contente? Hein? Sais-tu qu'à ce moment je devais être à New York en train d'enregistrer ma chanson avec Nicki Minaj? Hein? Sais-tu le nombre de personnes que je détiens leur destin entre mes mains, que j'ai juste censé booster leur carrière? Hein? Les sais-tu? Hein? Des gens comme Debido, Wizkid. Hein? J'ai juste censé les aider dans leur carrière, le booster pour qu'ils aillent de l'avant, le faire signer de gros contrats pour qu'ils puissent quitter de la pauvreté à la richesse. Hein? Mais cette femme a tout ruiné, il a complètement tout gâché. Penses-tu que je suis heureuse? Bébé, c'est bon. Si tu as vu la vidéo de Davido et Wizkid, envoie-le mes salutations spéciales, hein? Je le saluerai de ta part. Mais attends, qu'est-ce que cette femme a fait de plus? En tuant mon oncle. Oui, mon oncle m'avait promis qu'il soutiendrait ma carrière. Il m'a dit qu'il me donnerait de l'argent et m'enverrait à l'étranger. Alors, mais tant qu'il est mort, qui le fera? Hein? Bébé, calme-toi. Pourquoi tu la détestes? Elle est peut-être innocente. Peut-être que tu l'accuses faussement ou... Qu'elle soit innocente ou pas, mon père a promis qu'il ira l'accuser auprès d'Umuada. Donc elle devra aller là-bas pour prouver son innocence. Meilleur, bien, génial. Maintenant tu as parlé. Très bientôt, la vérité apparaîtra pour que tout le monde voie. Bon bébé, regarde. Laisse-le parler de ce qu'il veut. Parlons de nous-mêmes. Tu es en forme, hein? J'aime Arrête. Bien ses cheveux. Allez, lâche mon nom. Pardon, je suis désolé. C'est à tout moment, bébé. Je suis fatiguée. Désolé. Qu'est-ce qui n'est pas avec toi? Suga. Fallait-il, boum. Tu as bien fait de chercher la justice pour ton frère en prenant la situation en main. Puisque tu accuses la femme de ton défunt frère être responsable de la mort de son mari, ce grand sanctuaire va tester son innocence. Dans les 3 jours qui viennent, elle sera invitée ici. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Qu'elle prouve son innocence. Ago. Odogu. Oui. Tu te comportes maintenant comme un homme. Hein? Pour la première fois de tes 70 années de la vie, tu t'es comporté au moins comme un homme. Attends. Adam, est-ce que c'est toi ma mère? Allez, arrête. Ça, ce n'est même pas important. Peu importe qu'elle soit innocente ou non, ça ne compte pas maintenant. Le plus important maintenant est que tu as parlé au nom de tous les membres de ta famille ainsi que de ton défunt frère. Là où est ton frère maintenant, il est très content de toi. Au moins, c'est moi qui ai un niveau dans votre famille qui peut s'élever pour la défense. Tu as fait un grand pas. Je suis très fière de toi. Je suis très, très fière de toi. Adama, merci beaucoup.
Honnêtement, je ne sais pas comment te remercier pour m'avoir ouvrir les yeux. Voir et penser correctement. Tu es une personne mieux placée pour moi. Tu peux le dire encore. Tu m'as beaucoup aidé. Je ne peux pas oublier les bienfaits. Bam. Si tu n'avais pas causé avec moi de la manière dont tu l'as fait, tu sais que cette femme devait quitter ce village avec tous les biens que mon jeune frère lui avait laissés. Exactement. Tu sais quand je le disais, tu ne me croyais pas. Ah. Cette femme, si tu la laisses faire, tu seras consumée. Oku, j'ai vu comment elle faisait semblant de pleurer juste le jour de l'enterrement de ton frère. Elle ne me fait pas du tout confiance quand je la regarde avec mes yeux spirituels. Elle n'est pas claire. Elle est trop suspecte. Elle a des mystiques. Si vous croisez le bras, vous allez pleurer. Habillé en ah moto. Bon? Ago, écoute, quand tous ces problèmes seront passés, je t'assure que tout sera arrangé. Merci. C'est moi qui t'ai dit. C'est mieux. Ah. Mais, Adama. Donc, si je n'avais pas suivi les pas du conseil venant de toi, c'est comme ça que mon frère devait mourir, enterré et oublié. Ah. Sans que personne ne combat pour lui. Je suis toujours à tes côtés. C'est pourquoi je dis que ton défunt frère sera très content de toi, peu importe où il est maintenant. Hey. Je te jure. Ah, Ken. Ken. Ah. Ada, pardon. Ken. S'il te plaît. Que ton âme repose en paix. Amen. Mais ne commence pas. Ken. Ken, tu es parti. Si tu commences à pleurer, qu'est-ce que moi je vais faire? Je me retenais, je ne voulais pas pleurer, mais je s'il n'en fais te plaît, plus. Ada, s'il Ken. Te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Les jeunes Ken regardent. Ken est mort juste comme ça. Il est mort subitement. Ça suffit. Ah. Ça suffit. Il ne m'a même pas dit qu'il était en train de mourir. S'il je retiens mes larmes. Calme-toi. Je ne veux pas pleurer. Oh, Ken, Ken s'il te était plaît, une calme-toi. Bonne personne. Calme-toi. Ça suffit, il était un ça bon suffit. Homme. Nena, quand j'étais en route pour venir ici, j'ai vu une jeune fille qui sortait de cette parcelle. Est-ce que tout va bien? Elle est aussi venue me dire que j'étais convoquée. Convoquée? Ne me dis pas ça. Qui t'a accusé là-bas? Qui encore? Mon beau-frère, bien sûr, Ago. Ce n'est pas il m'accuse d'avoir tué mon mari. Ça n'a aucun sens. Comment peut-il arriver à ce niveau? Hein? Pourquoi il va partout dans ce village pour créer des confusions? Pourquoi? Eh bien, il a dit que mon mari vomissait les sang avant qu'il meure. Ce qui veut dire que je l'avais empoisonné? Et il a dit que je l'ai tué pour avoir ce bien. Tout ça n'a vraiment aucun sens. Aucun sens. Oui, Wo. Et si elle a refusé? Autrement, elle doit aller au grand sanctuaire pour jurer. Parce que poser un acte avec conscience ou sans conscience. Avec conscience ou sans conscience, je ne sais pas. Ça se fait comment? À gauche, bon. Hein? Ago Chiebo, ah? Ne comprends-tu pas que tu crées des problèmes avec tout ça? Cette femme vient de perdre son mari. Hein? Pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi tu ne peux pas écouter? C'est vrai? Sérieusement? Ah oui? Et tu penses que nous ne croyons pas comme je ne crois pas particulièrement? Aisé. Ne me fais pas croire que tu as une mainmise ou vous avez fait un plan commun avec cette femme pour tuer mon frère. Parce que je te suspecte déjà. Hey, je commence à te suspecter. Arrête ça. Arrête de dire ça. Ne m'indexe pas. Ne dis plus ça, je te dis. Aisé, c'est la vérité. Je te dis vrai. C'est la vérité. Je te préviens. Ne me pousse pas à le répéter. Écarte-toi de ma famille.
Combien de fois aurais-je te dire? Tu m'as vraiment déçu. Quoi? Je ne pensais pas tout ça de toi. Hein? Je n'ai jamais pensé tout ça de toi. Tu m'as vraiment déçu. C'est vrai? Je ne compterai plus rien. Et c'est vrai ça? Pas de problème. Pas de problème. Hey. Je me souviens combien on a souffert pour avoir tout ce que nous avons aujourd'hui. Je ne peux jamais oublier nos promesses, notre alliance, le meilleur et le pire. Je ne peux jamais oublier ce qu'on a traversé. Je ne peux oublier tout le travail que tu as fait. Mais maintenant, ils viennent après nous. Ils viennent après moi et mes enfants. Pour tout ce que nous avons eu à traverser. Où est-ce qu'ils étaient depuis tout ce temps? Où? Bien, pardonne-moi. J'aurais dû déjà venir te voir plus tôt. Mais il fallait que je fasse une chose. Il fallait que je repense plus d'un mois. Et je crois que, à ce point, il est capable d'identifier toutes mes visites ici comme des bêtises qu'il est en train de raconter partout. Mais peu importe. Tu as mon soutien. J'ai vraiment compris. J'ai compris. Ce que je peux te dire maintenant est que, même si je ne m'inquiète pas pour ce qu'ils disent, mais pour ce qu'ils partent dire au village, aux gens, à ceux qui les écoutent, j'ai juste décidé de me taire pour la vie et faire de tout mon possible pour l'éviter. Je ne vais pas lui donner une raison de parler mal contre moi. Ah! Tu as raison. Je suis content que tu sois une femme prudente. Et mon ami Ken ne m'avait pas déçu du tout quand j'ai vu la femme qu'il allait épouser. Bon, c'était en passant. Alors comment comptes-tu gérer cette invitation qu'on a donnée? Ça. Tu sais combien je suis innocente. Tu sais, jusqu'à présent, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui a causé la mort de mon mari. Ah. Mais laisse-moi te demander. Ne penses-tu pas que ces processus du serment peuvent être corrompus? Bien, c'est une question difficile, vraiment. Parce que depuis l'histoire, les affaires de sorcellerie n'ont jamais été considérées comme une activité de compromission. Non, jamais. Mais encore, comme tu as dit, tout est possible. Alors il faut que tu sois prudente. Parce que la vérité est que je ne connais personne qui souhaiterait être convoqué. Non, jamais. Non. Personne. Je ne me réjouis pas de ça. Si elle survit après 3 jours dans le grand sanctuaire de Wada, elle sera libre de toute accusation. Mais si tu n'es pas innocente, la mort va t'emporter. Mais je te conseille de prendre le temps de réfléchir avant que nous ne puissions continuer.
Informe-moi. Où est-ce que tu pars et avec qui tu as laissé les enfants? Ils vont bien. Ils vont bien. Ils vont bien. Ils vont bien. Où est-ce que tu pars? Je pars chez moi à la maison. Je vais prendre quelque chose. Attends, tu pars chez nous. Prendre oui. quelques habits. Donc tu veux transférer toute notre garde-robe dans ta maison? Je ne comprends pas. Je vais juste chercher quelque chose pour mettre sous la dent. Regarde, laisse-moi te dire. Tu ferais mieux d'y aller et revenir assez tôt pour les enfants. Laisse-moi te demander maintenant. Attends, je vais te demander. Les enfants n'espèrent-ils pas voir leur maman? Ils vont bien, non? J'ai dit qu'ils vont bien. Oh. Quoi d'autre? Laisse-moi te dire. Si tu pars, assure-toi de revenir assez tôt. Tu sais, maintenant que leur maman n'est pas tout autour, ils n'ont pas quelqu'un avec qui rester. Tu pars vite et tu reviens. Ok. Ok. Regardez comment elle est en train de marcher. Ok, ok. Tu devais compter le nombre des habits que tu as déjà apportés. Parce que tout ce que tu es en train d'amener là, tu ne vas pas même les porter. Bien que tu loues déjà une maison, tu ne vas pas rester dans ta propre maison. Sois prudent. Ok. Mais papa, alors si elle allait se retourner? Hein? Obina, tu as dit que si elle allait se retourner, tu veux qu'elle rentre? C'est ça ta prière? Ah! Obina, nous sommes en train de parler d'une femme qui est à la même mise dans la mort de ton oncle. Je vous dis que cette femme est capable de fuir avec tous les biens que votre oncle a laissés. C'est cette femme-là que toi tu veux qu'elle revienne. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, Obina a raison. Oui. Il se pourrait qu'elle soit innocente de toutes ces accusations qui pèsent sur elle. Oh. Oui, je sais de quoi je parle. Papa, nous devons vraiment en être sûrs. Parce que je commence à m'inquiéter pour elle. Oui, je commence. C'est pourquoi je dis que vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas avant de dire quelque chose. Vous devez faire tourner vos têtes. Concernant quoi? Ibéré,
Si tu ne sais pas comment orienter ta conscience, laisse-moi t'apprendre. Dès maintenant, commence à orienter ta conscience sur comment récupérer tous les biens que ton oncle a laissés avant sa mort. Hein? Oui, c'est maintenant que tu peux commencer déjà à diriger ta conscience sur la question de savoir comment est-ce que tu vas vivre une meilleure vie. Vous devrez commencer à réfléchir comme les enfants des Abu Djebo que vous êtes. Papa, je me sens vraiment impliquée pourvu que j'obtienne l'argent pour booster ma carrière musicale. Maintenant que tu parles comme ma fille, vraiment ma fille. Dis-moi, comment allons-nous faire pour récupérer l'argent auprès de cette femme? Moi-même, je sais ce que je ferai avec elle. Je vous l'avais dit. Quand je clamais son innocence, tout le monde m'avait traité de fou. Vous voyez maintenant? N'es-tu plus Madoufo? Tu n'importe quoi. Tu n'as qu'à l'affirmer si tu n'as rien d'important à dire. Est-ce que tu es obligé de voir des conspirations dans tout ce que nous parlons? De quelle conspiration es-tu en train de parler? Hein? De quelle conspiration es-tu en train de parler? Et d'ailleurs, toi, j'espère que tu n'es pas à la base de sa mort. Hein? Parce que celui qui sera attrapé dans ça, il ne sera jamais. Très bien. Est-ce que tu m'entends? Et on va essayer de passer avec cette affaire d'affaire de famille. Et qu'elle est déjà mort et partie, et focalisons-nous sur autre chose. Qui dit qu'on a un problème avec ça? Ok. Si tu crois que tout le monde dans ces villages est aussi chômeur et inutile comme toi, tu ferais mieux de tourner ta tête pour une fois. N'importe quoi. Tout le monde peut parler du chômage ici, mais pas toi. Adama. Il semble que ton odeur, je l'ai senti ailleurs. Regarde-toi. Fous-moi la paix là-bas. Parle-moi de quelque chose. Fais attention avec moi. Garde ta bande. Fais très très attention avec moi. Je t'avertis pour la dernière fois. Fais attention, pourquoi? Laisse-moi tranquille. Quand je suis venu ici, je me suis mis à dépenser de l'argent. J'ai commandé beaucoup de choses. J'ai commandé beaucoup, beaucoup de bouteilles à mettre ici. Et pourquoi tu taxes les autres? Pourquoi est-ce que tu parles de toutes ces choses, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Adam, tu souffres. Ok, chiche. Je te demande. Hein? Attends, où est-ce que tu as eu le courage d'ouvrir ta bouche pour t'adresser à moi ici? C'est quelle bêtise ça? Regarde-toi. C'est toi. Depuis quand? Depuis quand tu commences à venir ici pour me manquer de respect? Qu'il pleuve ou qu'il neige, il finit par dépenser de l'argent et c'est toi qui en bénéficie. Arrête de déranger. J'ai vraiment honte. Arrête. Je n'ai même pas de forme. Regarde-moi celui-ci. Tu n'as qu'à te faire aider, hein, derrière zéro. Bébé, tu es tellement distrait. C'est désolé, quoi? Désolé. Dis-moi, c'est quoi le problème? Hein? Oui, ça fait un moment que j'essaie d'atteindre Ken. Mais ce qui se passe, c'est que son numéro n'est toujours pas connecté. Hein? Hein? Et cet argent, je suis censé donner à sa femme, mais je ne sais même pas qui est-ce que je peux contacter. Je ne sais pas, mais essaye un peu d'insister, non? Hein? De quoi parlais-tu? Je ne pense pas qu'il paye les temps d'expressement. Non, je ne pense pas.
Il avait dit que je devais donner cet argent à sa femme le plus rapidement possible. C'était une urgence. Là, je ne sais plus rien faire. Je suis confus. Ah! Mais on est supposé d'aller à Lagos. On risquait de manquer l'avion. Oui, tu es censé aller à Lagos. Mais je ne pense plus que j'y partirai. Et je pense que je dois continuer avec cette affaire. Hein? Je vais te joindre plus tard. Aussitôt que je vais remis cet argent à sa femme, hein? Je prendrai le prochain vol pour Lagos. Ça, ce n'est pas possible. Ah, s'il te plaît. Chérie, on a déjà réservé l'avion, alors nous devons partir. Je sais, mais parce qu'il y a un malade et ou quelqu'un est à l'hôpital. C'est une promesse. S'il te plaît, chérie, apaise-toi, d'accord? Apaise-toi, chérie, apaise-toi, d'accord? Apaise-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, ça va, d'accord? Alors, s'il te plaît, je continue toujours à le joindre. Oui, bébé, tu as raison, c'est sûr. Tu sais que tu vas me manquer. À tout à l'heure, chérie. Bisous. Le fils de Mazi Amadé. Donc, il ne peut même pas saluer quelqu'un comme moi, quelqu'un de grande valeur comme moi. Hey, à cause de ce véhicule qui n'a même pas de forme. Moi, je n'en ai pas besoin. Si j'achète, je donnerai à ces gens-là pour les vendre. Hein? Insensé. Avec un véhicule comme celui-là, tu es vraiment un villageois sans importance. Tu n'as pas tort. Papa, c'est moi. Ok, mon fils. Oui, papa. Bienvenue. Papa. Hey. C'est le bienvenu, mon fils. Merci, hey. Papa. Regarde ton ventre. N'est-ce pas les mêmes argent que tu nous donnes que nous utilisons ici chaque jour, mon fils? Papa. Depuis quand tu as quitté Lagos? J'étais la semaine passée. Je suis passé faire quelques petites affaires avant de venir ici. Bien. Oui. C'est le bienvenu. Très content de te voir. Oui, comment va tout le monde? Maman est où? Tout le monde va très bien. Ta mère est allée au marché, donc Dito la sera de retour. Mais nous ne savions pas que tu venais. Moi non plus, je ne pensais pas que j'allais venir. Aussitôt comme ça même. Bon, on est là. Viens à l'intérieur. Papa, dis papa. Viens ici, mon fils. Ta mère sera très contente. Tu sais, je suis vraiment devenue un peu plus jeune que ça. papa, tu sais, j'allais venir, mais en fait, la vérité est ceci. Il y a un de mes amis qui m'a remis quelque chose à donner à sa femme. Est-ce que c'est l'argent? J'aime beaucoup l'argent. Oui, c'est une bonne somme d'argent. Si c'est autant d'argent, il faut que tu le fasses de toi-même. Écoute, de nos jours, on ne peut pas faire confiance aux gens concernant l'argent. Oui. Exactement. Voilà pourquoi je l'ai fait seul. C'est mieux. Oui, mais vous pourriez même le connaître. Qui est-il? Kenneth, le petit frère d'Agosé. Kenneth? Oui. Le petit frère d'Agosé. Oui, il y a un problème. Hey! C'est tragique ce qui est arrivé à cette famille. Je ne me suis même pas rappelé que Kenneth et toi vous connaissiez. Hey, papa, arrête ça, si tout le monde va bien. Hey! Est-ce qu'il s'agit vraiment du même Kenneth que ta mère aimait beaucoup là? Exactement, Nao. Et c'est ce même Kenneth qui venait souvent ici. Et aussi à l'école quand on était petit, non? Si c'est vraiment du même Kenneth que nous sommes en train de parler ici maintenant. Kenneth est mort il y a déjà 2 mois et il a été enterré ici. Pourquoi tu regardes toi avec ta comédie? Non, arrête, dis-moi que tu es en train d'aventurer. Ce n'est pas une comédie. Papa, arrête. Papa, arrête avec ce sujet, s'il te plaît. Allô, papa. Le même Kenneth,
le même Kenneth dont je parlais, qui vient de, du village d'Agodo là-bas. Mais oui, le frère de Ago. Le jeune frère d'Ago. Je viens de dire qu'il est mort. On l'a enterré le mois dernier. Donc, papa, tu es en train d'essayer de me dire que j'ai rencontré un homme mort. Est-ce que moi j'étais là quand tu l'as vu? Non, mais je l'ai rencontré il y a quelques jours. Moi, je n'étais pas là. Mais ce que je te dis, c'est que il est mort et il est enterré. Papa, attends. Hein? Non, mais papa, comment ça attend? Je vais appeler ma fiancée Chichi. Ah, ah. Elle avait aussi vu. C'est Kenneth, non, n'est-ce pas? On a dîné ensemble. On s'est même échangé des numéros. On a bu. On a même parlé comme des êtres humains. Ah. Qu'est-ce que tu me racontes, papa? Dans ce cas, laisse-moi te dire que tu as l'esprit de cet homme. Je t'ai dit qu'il est mort. Tout le monde ici dans ce village, c'est déjà que Ken est mort et enterré. Mais pourquoi tu discutes avec moi? Papa, Ken était mort. Je viens de te dire ça, mais tu ne veux pas m'écouter. Mazi Amadi. Ago. J'espère que je suis en sécurité de cette visite. Non, pas du tout. Hein? Je suis venu récupérer l'argent que tu me dois. Moi? Je te dois l'argent? Je ne te dois pas l'argent, Amadi. Es-tu sûr? On ne fait pas le business ensemble. Oh, en passant. Bienvenue. C'est bon. Bienvenue, mon cher. Ago. Bienvenue. Ah, ouais. Mon fils est de retour, comme tu peux voir. Et sa femme? Oui, comme tu peux voir, elle fait son deuil. Ago, te rappelles-tu de mon fils? J'essaye de... C'est bien lui, le petit hockey d'hier. Tu sais, c'était lui qui était le plus turbulent dans ce village quand il était encore adolescent. Hein? Ok. Oui, monsieur. Il est devenu un grand garçon. Ago, tu as tout compris. Ok, bienvenue. Merci, bienvenue. Merci, mon cher, merci beaucoup. Il est encore plein de vie. Acceptez notre condoléance, monsieur. Je compatis avec vous, monsieur. Celle-ci, c'est sa belle. Merci. Nena, va aller rapporter les chaises. Ok, où est-ce que tu vis maintenant? Je suis désolée. S'il te plaît. Ken, s'il te plaît. Je regrette beaucoup. Ken, pardon. Ken, s'il te plaît. Je suis désolée. Désolée. Ken, va-t'en, non, pardon. Ken. Ken, pardon. Pardon. Ken,
Et s'il te plaît, je te prie au nom de Dieu, pardon Ken, pardonne-moi. Et je regrette, pardon. Pourquoi pardon, devrais-je pardonner? Je t'avais offensé. Je t'avais demandé pardon. J'avais même compensé à cela. Tu avais accepté mon argent et tu avais dit que tu avais pardonné. Mais pourquoi est-ce que tu m'as séparé de ma vie? Ken, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne pouvais me passer de toi. Tu as brisé mon empire que j'avais construit avec toi. Ok, je suis désolée. Parce que tu pensais que tu avais vraiment souffert, mais tu avais souffert de moi. Et tu ne sais pas qu'il y a beaucoup qui ont souffert aussi. Désolée, Ken. Je suis désolée. Tu es méchante. Ken. Et tu vas payer. Va confesser. Va confesser dans la maison. Oui. J'étais vraiment, vraiment choqué. Quand mon père essayait de m'expliquer que mon ami Ken était mort. Mort! Bon, papa. Je n'arrivais à rien comprendre. Ce même Ken, avec qui on s'est échangé les numéros, avec qui on a bu ensemble, il m'a même donné de quoi remettre à sa femme. Et maintenant, vous, vous me dites que Ken est mort. Comment? Désolée, ma fille. Je ne voulais pas te faire pleurer. De toute façon, ça suffit. Ok. Quand le corps de mon frère a été amené à la maison, je ne me rappelle plus le nombre de fois. Hell. J'avais perdu la conscience. Hell. Et c'est grâce aux compassions des voisins que la vie était devenue normale. Et je continue à me poser des questions. Ah, Ago, c'est bon, c'est bon. Hein? Ago, sois un homme. Pas de problème. Je sais d'être un homme. Je sais d'être un homme. S'il te plaît. Je continue à poser à Dieu des questions. Pourquoi a-t-il pris la vie de mon frère en ce moment-ci et me le sait seul? Mais pourquoi ça vraiment? Pourquoi est-ce que je vivrai moi aussi? C'est la vie. C'est étrange. C'est difficile de croire que tout ça est arrivé. Même pour moi qui suis là, c'est difficile pour moi de le croire. Ken. Hein? Ken. Chai. Mais papa, il s'est réincarné. C'est un revenant. Ou il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et je n'arrive à rien comprendre. Mais si tu me demandes, comment tu veux que je sache? Je ne sais rien du tout. Il est venu à moi. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas à Paris à sa femme ou à son frère? Pourquoi? Et c'est à moi que tu demandes. Maman, remplace tes voix ici. Tu commences un tableau en plus au tiki na yo. Ou tu peux pas rouge t'es. Hein? Tu as ma voix à partout. Tu as ma voix à partout. Il a choisi un étranger. Ah. Au lieu d'apparaître à ceux-là qui lui ont fait du mal. Mon mari. Vous voulez aller voir sa tombe? Oui, je voudrais bien. Suivez-moi. Ken, non, arrête de me tourmenter. Je vais confesser. Je vais confesser. Ken, Elina, je vais confesser. Oui, j'accepte de confesser. Oui, 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 oui. Oui, je me rends chez toi. Je me rends. Arrête de me tourmenter. Ça tombe là. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, hein? Tu continues à douter? La tombe est là. Tout est arrivé lorsqu'il est revenu au village. Comme on dormait pendant la nuit.
Doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Doucement, doucement. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, attends, je suis dans de l'eau. Attends, attends, qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas, hein? Attends, doucement. Oh, oh mon Dieu, dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que j'avais perdu mon mari. Il était mort à mes bras. J'avais crié et crié. Mais personne n'était là pour m'aider. Et mon mari était mort. Je suis vraiment désolée. Hein? Cela doit avoir été beaucoup trop difficile pour toi. Je suis vraiment désolée. Vous ne pouvez imaginer la façon dont j'aimais mon mari. J'ai sacrifié parfois mes nuits juste pour attendre à ce que mon mari revienne. Mais je ne lui verrai plus. Il m'a laissé. Oh, oh, ma chérie, je suis vraiment, vraiment désolée. Il tient bon. Ok. Oui, monsieur. Mazia m'a dit. Ago. C'est terrible. Lorsque le corps de Ken, mon jeune frère, a été amené à la maison. Je ne pouvais pas parler. Vraiment, j'étais neutralisé. Comme quelqu'un qui venait de mourir. Pourquoi tu ne t'es pas un peu calmé? Hein? Nous étions seulement qu'à deux chez nos parents. Nos parents étaient morts il y a très longtemps. Nous a laissé qu'à deux. Maintenant, regarde-lui. On l'a tué. On me l'a tué. Ago. On me l'a tué. On il n'y a rien tué. De plus douloureux que voir les gens que tu aimes mourir comme ça. Je suis vraiment désolé. Désolé pour ton frère. Désolé, Ago. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. Oh, mais c'est quoi là-bas? Je regrette mes actions. Je regrette. Désolée. Oui, je vais confesser. Ada, Ada, c'est quoi ça? C'est quoi? Ken. Ada, dis-nous, qui te frappe? Ken. Qui? Quelqu'un. Ken. Quelqu'un. Quelqu'un. Ah, ah. Quelqu'un. Quelqu'un. Hey. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Hein? C'est quoi? Il dit que si tu ne confesses pas, il va me tuer. Confesser quoi, enfin? Faire la confession de quoi? Mais confesser quoi? Imagine. Attends, je vais parler, je vais parler. Mais vas-y, parle, non? Ken, c'est pour toi cet argent. Merci beaucoup. De rien. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile pour toi de trouver des jobs après tes études universitaires. Et j'étais en train de me dire que tu aurais dû avoir un job. Tu sais, ce n'était pas facile pour moi de sortir cet argent de mon business pour t'aider avec le frère. Premièrement, je te remercie beaucoup. Ok. Tu sais, je planifie qu'après mes études, je trouve un travail et puis je trouve une maison. Essayer de me stabiliser et d'amener la maison. C'est ça vraiment le plan. Déménager? Ah, juste ça. Qu'en est-il de notre plan de mariage? Oh non, non, tu m'as mal compris. C'est vraiment dans notre plan. Ce que je veux dire, c'est que je dois venir te prendre afin que tu prennes plaisir de la vie quand même. Et enfin, nous allons revenir pour finaliser notre plan du mariage. C'est ça. Tu peux avoir l'habitude de me le dire à tout moment. J'ai besoin de l'entendre. C'est important pour moi de l'entendre. Tu sais, j'ai arrêté
tout ce qui allait avec mes études juste pour me rassurer que toi, tu puisses d'abord aller à l'université. Écoute, tu as très bien fait. Hein? Merci infiniment. De rien. Je pense vraiment que je vais passer plus de temps avec toi, mais les bourses a besoin de moi, d'accord? Et je t'en prie. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon, ok. Je t'écoute, d'accord? D'accord. Prends soin de toi une fois de plus. Merci, d'accord? J'ai apprécié. Ok, il n'y a pas de souci. Bye. À bonne route. Merci beaucoup, chérie. Hey! Est-ce que tu sais que tu n'es pas assez sérieux, Ken? De toute façon, tu n'es pas sérieux. Comment oses-tu? Hein? Comment est-ce que tu pourrais prendre de l'argent entre les mains des deux filles pour aller payer tes frais? Tu as pris l'argent chez Ada ici au village, tu as pris aussi l'argent chez Nena en ville. Maintenant, Adam est partout en train de te chercher. Grand frère, ce n'était pas ma faute. Oui. À qui la faute? À moi? Je comprends tout ceci. Je comprends. J'ai apprécié tout ce que madame a fait. Mais la vérité est telle que l'autre s'est aussi beaucoup sacrifiée pour moi. Oui, elle l'a fait aussi. Mais ce n'est pas vraiment le problème. Nous allons résoudre ces problèmes amicalement. Vous voyez, je comprends le fait que Adama s'est vraiment sacrifié pour que je puisse aller à l'université. C'est d'accord, elle avait dépensé l'argent. C'est bon. Maintenant que j'ai de l'argent, qu'elle me dise combien ça coûte, comme ça je vais lui rembourser. Hein? Et si elle veut que je paye ses frais de scolarité jusqu'à n'importe quel niveau? Est-ce que vous comprenez? Je peux facilement faire ça. Ce sont des petites affaires, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour ça qu'on peut se déranger. Si je vais supporter ça. Regarde ta bouche. Regarde comment tu parles. J'ai beaucoup d'argent. Je vais payer. Hein? Ken, laisse-moi d'abord te dire quelque chose. La colère d'une femme est pareille à une forêt. Ça brûle tout sans rien laisser, y compris même les innocents. Tu vas lui rembourser? Laisse-moi te demander. Combien est-ce que tu penses payer pour dédommager cette fille de tout ce que tu lui as causé comme tort dans sa vie? Combien? Tu vois la payer? Tu ne parles pas? Bon, bref, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas, n'ose même pas me poser cette question. Ne me pose pas cette question. Si tu sais comment t'en sortir de toi-même dans ces problèmes, commence déjà à le faire parce que cette fille Adama, il n'y a rien qui empêcherait Adama pour te détruire. Écoute ce que je t'ai dit. C'est donc ça la raison pour laquelle Ken m'invitait. Je lui ai donné mon temps. Je lui ai donné mon corps. Je lui ai donné mon argent. Je lui ai tout donné. Et c'est comme ça qu'il s'est décidé de me rejeter. Adama, s'il te plaît, calme-toi. Vraiment, je suis aussi choqué. Honnêtement, je suis vraiment choqué, bien plus que le même. Mais ce que je peux te dire est que ne permets pas que ce problème qui a percé ton cœur soit une chute pour toi. Prends courage et continue avec la vie. Voilà ce que je peux te dire. Ken n'est pas la fin de ta vie. Non. Il y a encore beaucoup d'hommes là-bas qui embrasseront tes mains. Oh? Tu comprends? Tu crois que c'est facile? Ok. Tu crois que c'est facile après toutes ces années? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ok? Allez, arrête. Ne me dis pas d'essuyer mes larmes. Adama, s'il te plaît. Je suis désolé. Et je ne saurais expliquer tout ce qui a pu se passer. Mais je suis vraiment désolé. Je te supplie de me pardonner.
Je te supplie de me pardonner. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît. Ada? Pardon. Comme je t'ai dit, laisse tomber tout ceci et continue avec ta vie. Ken n'est pas la fin de ta vie. Trouve la place dans ton cœur pour lui pardonner. Ok? Ken, j'ai cru que j'étais tout pour toi. Je me croyais être tout un monde pour toi, Ken. Par où veux-tu que je commence, Ken? Ken, j'ai tout perdu. Par où vais-je commencer? Tu m'as fini. Je suis désolé. S'il te plaît. Pardonne-moi. Aïe, pardon. Je suis venu chez toi, entre dans la maison, donne-moi mon argent. Je vais te donner l'argent. Je ne blague pas. Je vais te les donner. Je ne plaisante pas. Ah, Ada. Tu me donneras mon argent. Laisse-moi. Je ne veux pas de négociation. Regarde là où tu as mis ta main. Je le fais exprès. Ada, attends, non? Aujourd'hui ou jamais. Ada, tu me donneras mon argent. Pas comme ça. Ce n'est pas du tout normal ce que tu fais. Hé, hey, c'est quoi ça? Ken, Je suis rentré. Qu'est-ce qui se passe? Et Ken, c'est ton frère. Oh. Il vient prendre mes articles au shop sans pourtant me payer. Hein? Et tu sais que mon shop n'est pas assez grand. Il détient tout mon capital. Combien est-ce que c'est? C'est 8000 naira. Quoi? Ah! Menteuse! 27 naira. Toi, tu dis 30 naira. Comment est-ce que ça devient 30 naira? Essaye de faire le calcul. Regarde. Essaye un peu de gérer ceci. Prendre quoi? C'est comme ça que tu gaspilles l'argent? C'est comme ça que tu gaspilles l'argent, Ken? L'argent n'est pas pour gaspiller comme ça. Ton argent, c'est 13 naira. Laisse-moi compter. Ken! Parle à ton frère, non? Prends tes 13 naira. J'ai bien compté, sans erreur. Tu veux aussi les compter? C'est à toi? L'argent de mon frère, ce n'est pas l'argent de ton frère. Bien. Ken, est-ce que je peux parler avec toi en aparté? S'il te plaît, accorde-moi un moment, s'il te plaît. Alors, prends place. Merci. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, tout va bien. J'ai juste remarqué que tu es venu seul. Alors, je ne sais pas si c'est possible que je vienne t'aider avec des petites choses. Bien, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Oh, tu vois, les enfants de mon frère sont là à la maison. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, ils vont m'aider à le faire. Ok, mais tu sais, ça fait tellement longtemps et tu me manques. De quoi parlais-tu? Hein? D'où sortent ces choses? Où veux-tu en venir? La dernière fois qu'on a parlé, tu m'avais dit que tu pouvais continuer et que tu étais d'accord avec ça. Tu m'avais donné l'ego et tu avais banni mon mariage. Et qu'est-ce que tu veux dire encore? Hein? Tu veux d'être mon mariage? Qu'est-ce que mon épargne? Et alors? Comment je vais briser ton mariage? Et Ken, tu dois me comprendre. Je suis humain. Et tu sais, ça fait tellement longtemps que tu m'as porté dans tes bras. J'en ai envie. Tu me manques énormément. Ken. Ok. Et si tu ne veux pas que je vienne à la maison, est-ce que je peux moi t'es préparé à manger et te l'apporter? Non. Et tu vas l'aimer. Non. Oublie ça. Hé, hey, tu vois comment tu deviens trop dur envers moi. Ça veut dire que tu continues toujours à garder une dent contre moi, bien que ça devait être le contraire. Ok, d'accord. Très bien. Tu peux aller préparer de la nourriture. Je demanderai à Obina de venir les chercher, mais toi, ne me l'apporte pas. À moins que je n'oublie parce que je suis vraiment occupé, tu pourrais lui dire de venir prendre la nourriture. Mais que ce soit la première et dernière fois que tu abordes ce genre de sujet. Arrête! Bien, je t'ai entendu, mais tu dois savoir que ce n'est pas seulement ça, oh. Ce n'est pas seulement ça, ce dont j'ai besoin. J'espère que ce plan va marcher parfaitement. Je peux t'assurer que ça prend 48 heures à prouver que la personne ait bu ça pour que ça prenne effet. Ah, fallait quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Savoir. Je te l'ai dit que c'est pour ajouter dans la nourriture d'une personne.
et qu'après 24 heures, ça doit marcher juste comme tu me l'as dit. Pourquoi doit-on encore avaler? C'est trop bien fait, c'est ça. Tu seras satisfaite. Mais si je peux me demander, qui veux-tu tuer avec ceci? Est-ce ton affaire? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Doucement! Attends, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Doucement! Je te donne de l'eau, attends! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Mon Dieu! Doucement, tiens! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Hey! Adama! Adama, toi, toi, hey, ok, tiens-la pour moi, tiens-la, ok, tiens-la pour moi, ago, s'il te plaît, je suis désolée, tu avais fait, tu es désolé. Ok, tiens-la pour moi. Oh, Toi. Hey. Ado. Ken. Je connais très bien Ken. Ça fait très très mal. Hein? Et voilà pourquoi j'avais essayé de te rencontrer. On est vraiment désolé. Et il n'y a rien de bon dans ce monde. Et ce qui a pu lui arriver peut arriver à n'importe qui. Et à mon avis, il aurait évité cette fille sur tous les plans. Mais pour l'erreur qu'il a commise, comprenant qu'il est humain, et raison pour laquelle il m'avait remis ceci, pour te remettre. C'est quoi ça? C'est un chèque? Oui, et ça c'est un chèque de 7 millions de naira. Il m'avait remis une montre en or et puis je l'ai vendu. Voilà l'argent. Et c'est un chèque ouvert. Tu peux juste te mettre maintenant et l'encaisser à n'importe quel moment. Es-tu sérieux? Mais, bien sûr. Eh oh! Merci beaucoup. Non, que Dieu te bénisse. Essayons d'y penser. Je pense qu'il est temps que vous partiez de ce village. Vous êtes encore une jeune fille avec beaucoup d'espoir. Hein? Anya Bedi Anyao. Et vous devez remettre tous ces enfants à l'école. Ainsi continuer de là où Ken avait arrêté avec ses affaires. Si vous ne le faites pas maintenant, personne ne le fera pour vous. Tu as raison. Tu as vraiment raison. Je ne veux même pas rester ici. Exactement, exactement. Je veux partir. D'accord, on va faire ceci, d'accord? Apprêtez-vous, vous et les enfants, je viens vous chercher, d'accord? Hein? Oui, et je reviens vous prendre. Parce que si je ne revenais pas maintenant... Et je ne sais plus quand est-ce que je vais venir parce que je m'en vais en Vietnam. Donc vous devez vous apprêter. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Hein? Dieu va te bénir. Nous sommes tous en paix, n'est-ce pas? Calmez-vous. Ne vous en faites pas. Je viens vous chercher. Nena, s'il te plaît,
je vais te remercier spécialement pour ne pas prendre en compte tout ce dont je t'ai posé comme tort. Écoute, maintenant là, tu y es, ma fille, mon amie, aussi ma belle-sœur. Merci pour être une bonne femme. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, oncle. Je vous avais déjà pardonné. D'accord. Merci beaucoup. Même si vous m'avez causé beaucoup de tort. Mais c'est bon. C'est déjà le passé. Merci beaucoup. Tu vois, j'ai beaucoup appris de tout ceci. Écoute, je viens d'apprendre que les gens comme nous, nous ne pouvons pas combattre pour le mort. Nous devons leur laisser faire les combats pour eux-mêmes. Je suis un être humain. J'ai appris que il faut toujours se contenter des moyens qu'on a. Hein? S'il te plaît, garde ces enfants pour moi. Amène-les à la maison de temps en temps. Je crois nous pouvons ensemble les aider. Oncle, je les ferai. Ok. Je les ferai de temps en temps. Ok. C'est la maison de leur père. Oui, oui. Un bout de chèvre, Et ça, ok. Grand frère. Merci. Merci beaucoup. Ah, ok. C'est moi qui te remercie. Vraiment. Parce que tu es une bonne personne. Alors, mets salutations à ta femme quand tu vas rentrer en ville. Ok. Très bien. Je vous remercie également pour tout ce que vous avez fait. Et je vous promets, vous voyez cette maison, nous allons l'achever avant la saison de pluie. C'est vrai? Oui, oui. La raison pour laquelle je vous en prie, c'est que Dieu va te bénir. Il va te bénir. Oui. Naina. Tu es passé par beaucoup de choses, nous le savons tous ici. S'il y a un temps où il faut que tu sois forte, c'est maintenant. Oui. Ne l'oublie pas. Merci beaucoup. Merci. Tu étais une bonne personne pour moi. Je vois maintenant pourquoi mon mari t'aimait. Merci beaucoup. Ils sont juste les amis. Ils sont chers pour moi. Oncle. T'es vraiment drôle, mon Dieu. T'es vraiment drôle, toi. Aisé. S'il vous plaît, commencez bien, allons-y alors. Avant qu'il soit tard. Oui, s'il te plaît, n'oublie pas de m'appeler. Alors, gagnons les temps. Si vous arrivez, vous allez nous appeler. Ok, ça va, ça va. Tu pars avec eux. Viens de ce côté, ma fille. Viens de ce côté. Entrez là-bas. Ah, c'est bien. Ok, bonne route, hein, bonne route. Merci beaucoup de tout ce que vous avez fait. Oui, passe-moi ton numéro de téléphone. Votre numéro? Oui, gardons toujours les contacts, nous serons toujours en communication. Les non, numéros de téléphone, numéro de téléphone, ok, ça va. D'accord. Je vous aime bien. Ok, bonne année.